Chat réservé aux abonnés, chat émoticône seulement, réservé aux followers, mode lent, les termes bloqués, les termes autorisés. Là, je vais faire la même. Je vais faire la même. Tiens, écoute, quand tu t'abonnes à ma chaîne. Vas-y, attends. J'entends ça. J'attends. Quand tu te follow. J'aime le veau. J'aime le veau. Ça qui est bon. Bon. Allez, vas-y, je relance le jeu. J'aime le veau. Allez, Lola. Fais plus de bruit. Je suis là, je fais de la modération. Vas-y. Bonne app. Ouais. Au courant de quoi? Ouais, ouais, tu me tiens au courant. Oui, à toi, oui, pas moi, oui. Ouais. Ouais, y'a intérêt. Ouais, pas plus. Ouais, bah, pas plus. Ouais. Oui, bah, faut pas 3 heures non plus. Hmm, ouais, y'a intérêt. Ouais. Un immense bravo pour cette victoire, les gars. Nos chances étaient quasi nulles. C'est parti pour la pro team. Ouais, allez, c'est parti. Bonjour à tous et à toutes sur le live de... On roule tranquille de Créolas sur un jeu de vélo qui s'appelle, j'ai oublié le nom du jeu. Tour de France, 2020. Ah merde. Ah bon bah j'ai pas... J'ai fait une boulette et je sais pas comment je fais pour... modifier la vue modérateur. Non. Modérateur active 2. Putain, il faudrait que je... J'ai 5 personnes. Je vais essayer d'activer le compte de ma femme, voir. Ouais, je suis quand même en train de me faire... Je vais pas manger, moi, faut que je vérifie. Vas-y, vas-y. Attends, Lola, tu te décolles un poil. Papa, il va avoir besoin du deuxième ordinateur. Oups, je suis tombé. Quoi? Oups, c'est tombé. Tu vas avoir un deuxième ordinateur? Non, le PC portable en fait. Mon deuxième PC quoi. Ah. Moi du coup le refroidisseur il est pas bon. J'ai pas de refroidisseur pour monter le PC. Ah merde. Ouais, c'est pas, je verrai pour en racheter un plus tard. Quand je changerai le mien. Et... Moi, mais non, que c'est moi qui est tombé. Un refroidisseur liquide. Attends,
Attends, je vais enlever la com vite fait. Oui, ah, t'as mis ton t-shirt de véloyeur et tout? Non. Polaroid et tout? Ouais. C'est des sponsors de vélo? Non. Ils sponsorisent pas le Tour de France? Je pense pas. Ah bon? Non. Je vais enlever la cam vite fait. Attends, le truc il a sonné plusieurs tours. Ouais, j'ai entendu. J'ai vu la mort. Alors. Oui, là, je vais te donner le biberon, 2 secondes. À toutes, ouais. Ouh, la tendue du string. Et donc Kané, je sais pas si t'as vu du coup, parce que t'as pas suivi la série. Vas-y, hein, je t'écoute. Ouais, attends, je remets la feuille du coup. Un immense bravo pour cette victoire les gars. C'est toi la feuille, ouais. Hirschi, il a le maillot jaune. Maillot à pois, Bilbao. Maillot vert, Hirschi. Maillot blanc, Hirschi. Que des gars de mon équipe. Ouais, bien joué, bien joué, bien joué. Tu veux une médaille? Ouais. Connard. Avec quoi? Tiens, je te l'offre celui-là. Ouais, ça fait plaisir. Ouais, t'as vu un peu. Ouais, laisse tomber. Hier, sur mon live, 73 personnes, je suis en mode. Ah. Oh la vache. Il y a je sais pas combien de follow. Ouais, mais à mon avis, je me suis fait redbot. Ah ouais? Ah ouais, vu la gueule. Je pense pas tout le monde, tu vois. Je pense que t'enlever tous les bots, on devait être genre. Entre 10 et 20, tu vois. Ouais. Et je me suis fait redbot, c'est sûr et certain. Du coup, j'ai cherché sur internet, voir comment on pouvait empêcher ça. Et j'ai trouvé deux solutions, j'ai pas compris. Du coup, j'ai abandonné. Putain, on est en 2022, là, c'est dans son temps de jeu. Ouais. Ça passe vite, hein. Putain. 2022. C'est ma troisième série, là. Ouais. Ouais, c'est la troisième saison. Si je me trompe pas, c'est ça, je crois que je suis à la troisième saison. Parce que si tu relances une série, je crois que tu démarres en 2019, je crois. Attends, je vérifie. Mais t'as pas... Et t'as déverrouillé des sponsors ou toujours? Non, tu débloques pas de sponsors, juste une équipe, en fait. Ouais. Tu choisis tes coureurs, en fait. À la fin de chaque saison, et te repropose... Bah, tu gagnes de l'argent, en fait. Et avec cet argent, tu peux changer tes coureurs. Et tu vas voir, je vais te montrer, il me reste 3 courses à faire, ça va aller vite. Nouvel emplacement. Si je lance une série... C'est une course. Attends, je peux pas recommencer un pro team. Attends. Juste pour y rigoler comme ça vite fait. On va prendre ça par exemple. Tac. De toute façon, je vais l'effacer celle-là. Donc là, tu choisis tes coureurs. Et tu démarres en 2020. Ah non, 2020. Donc ouais, je suis à la saison 2. Autant pour moi. Ok. Je me suis trompé. Un immense bravo pour cette victoire, les gars. Nos chances étaient quasi nulles. C'est une performance exceptionnelle. Vous avez battu tous les favoris. Chalif, tu t'entendras bien, il fait du vélo et tout. Non, il m'a dit, on a discuté un peu tout à l'heure, il est venu. Non, c'est Alexis qui est passé, autant pour moi. Alexis, il est cool. Ouais. Moi, j'attends que le PC fasse sa mise à jour. C'est un viewer de Heavy. Un viewer de Heavy. C'est qui, Heavy? Ah bah, t'as pas suivi. Celle qui joue ma meuf dans le RP là, en ce moment. Elle vient de chez lui. D'accord. Au début, elle skip, il me met pas. Ah ouais? Ouais. C'est un petit ange. Te souhait. Alhamdoulilah. Hein. Ah, ouais, désolé, hein. Le live. Mais y'a personne pour le moment. C'est le modo, le gros port. Y'a personne pour le moment. Mais j'ai lancé, j'ai quitté aussi. Mais tu sais que hier. Ouais. Hier, il y a un moment, il y a des gens, ils me disent tiens, ouais, on est presque 20 et tout. Moi, je dis bah, wesh, moi, je vous vois 4-3. Parce que là, quand je regarde le truc, là, j'ai fait une grosse étape. Là, ça va être compliqué parce qu'il y a des gros cols. Quand je vois celui-là avec le vent, ça va être compliqué de faire un bon truc. Les deux prochains, je devrais pouvoir m'en sortir pas trop mal, mais avec de la difficulté. Le troisième, c'est un contre-la-montre.
Je suis nul à chier en contre-la-montre, mais je vais essayer de me débrouiller pour faire un bon chrono. Celui-là, je devrais m'en sortir pas mal. Plat, ça. Le 5. Attends, c'est du plat là, le crêpe là. Le contre-la-montre, ouais. Ah ouais. C'est du plat, ouais. Après, le 5. Le 5, je devrais m'en sortir pas trop mal. Le 6. Ça devrait passer. Mais je vois pas de ravitaillement, donc ça risque d'être galère. Ça devrait passer. Le 7, j'ai peur, parce qu'il y a un col hors catégorie. Donc, à voir. Ah, le 7, il va être hard. Hein. Ouais, le 7, celui du milieu, là, le col hors catégorie, là, il va être compliqué. Il va falloir que tu gères. Tout avant le col, il va falloir que tu gères. Ah, oh, mais ouais. Mid grosse côte, là, tu donnes tout. Non, mais après, ouais. c'est full descente jusqu'à le ravitaillement. Ah, bah ouais. Ah ouais, si tu gères bien, t'as moyen de les... Si j'ai le maillot jaune jusqu'au contre la montre, ça devrait aller. Ça va être compliqué. On verra. On va voir. On va la tenter bien. Ça y est, le PC vient de se mettre en route. T'es fatigué toi Lola? Je vais te donner le biberon je pense avant de rejouer. Ouais, on va te donner le biberon ma chérie. Papa il aime l'ordinateur, il prépare le live et puis après on fait un biberon et après il va vite faire les courses. Course de vélo. Mise à jour système 7%, ça va aller vite, c'est cool. Là, d'ailleurs j'ai une image pour la Touche Family. Ah ouais? J'ai une idée d'image, ouais, donc quand on se voit, il faudra qu'on prenne une photo. Vas-y. C'est que je ferai ce que je veux et puis tu démarreras à faire le. À faire l'image. Vas-y, t'inquiète. Je suis dessus. Ça, je veux qu'on se prenne en photo tous les deux, tu sais. Ouais. Genre, on tape une pause et puis avec un fond derrière. Vas-y. Ce sera ça l'image de Touquet Family, tu vois. Vu qu'on est les principaux streamers. Hein. Non, pas les gens qui ont le rôle de streamer, ils profitent pas de se mettre des pubs. Ouais. Alors que c'est fait pour quoi. Il y a Evie qui me gratte, qui essaye de me gratter un VIP depuis 2 jours. Tu vois, mais je suis pas solo à décider. Moi, en tout cas, tous ceux qui viennent de chez toi, moi je les mets VIP direct, mais je voudrais bien les débloquer avant. Bon, il y en a, ils sont pas VIP hein, chez moi. Hein. Non, mais tous ceux qui viennent de chez toi, chez moi, je les passe VIP. Ah ouais. C'est un VIP spécial, c'est un VIP. VIP pub. Enfin, un VIP. Comment ils appellent ça? VIP. Merde, je sais pas comment je pourrais dire ça. Enfin, bref, on s'en fout. Ouais, un VIP quoi. Voilà, un VIP. Moi je vois rien, j'ai encore faim. Moi j'aurais bien que son PC il se démarre là, le PC. Chier. Il est trop lent à démarrer. Le PC, c'est un PC savoyard. Hein. Oh, je tombe bien. Je fais quoi sur Discord? Je la passe VIP ou pas Eve? Bah si tu veux. Elle est cool ou pas? Ouais. Ouais vas-y, fais la passer VIP. Je vais te donner le biberon, 5 minutes.
Après, prépare ça. À quoi ça, moi? Putain, il est trop long son PC, sans déconner. Vas-y, je lance la course, on verra après. Il rame à mort. J'avoue. De toute façon, je suis sur ton chat, hein, Pierre. Hein. Ouais. Ah, mais on faudrait 5. Il en faut 5. Ouais. Après, je peux te host au pire. Attends, ah ouais, ah ouais, ça serait cool. Après, ça fait pas quelqu'un qui parle, hein, le host. Hein. Si, si, clique normalement, ils viennent parler ici, je crois. Soit. Bonjour à tous, je sais pas. Toutes les conditions pour faire frémir les prétendants à la victoire finale. Tac, host, et sans répit, Créolas, offrant des opportunités d'attaque. Ce n'est pas de la montagne, mais la tension sera toutefois palpable. Ouais. Ouais, d'accord. Et voilà. Alright. Ouais, merci pour ton host. Alright. Encore, j'aurais été en live et tout quand. Je pense jamais à host à regarder si t'es en live ou pas. J'y pense jamais. Ouais, hier, là, je t'aurais host avec les 70 personnes là. T'aurais été bien. Ouais, non, mais ouais. C'est de prendre la roue. Là, on va viser le maillot à poids. Hein. Obligé. Par contre, Hirschi, économise-toi. Il est déjà à vouloir sprinter. Reste tranquille. Puis là, vu que j'ai le maillot à poids, ils vont pas vouloir que je prenne l'échappée avec eux, tu parles. C'est normal. Je roule tranquille, moi. Je reste dans les roues, je roule tranquille. Déjà, le peloton, il suit plus. Déjà, c'est cool. Et ça roule quand même devant. Ouais, ça roule devant, mais ça roule pas derrière, donc c'est cool. Hop, collaborer avec les adversaires et on accélère un peu le temps. On va pas être trop vite parce que des fois ils s'échappent, les bâtards. Vu que je suis dangereux pour le général, ils me laissent pas partir en fait. Toi, vous êtes fait rattraper là, non? Non. Ah si. Oh, il parle ta gauche, hein. Ouais, j'ai vu. T'as le peloton, il. J'ai vu. C'est pas grave pour le moment. Ils font une échappée, hein. Là de maintenant tu vas te retrouver avec le peloton. Non, ça va aller. Ah si, t'es avec le peloton. Ouais, clairement. T'inquiète pas, ça va le faire. Tu fais une échappée, t'aurais dû partir en même temps que le bleu. Vraiment. Non, t'inquiète pas. Ah putain. Ma putain de manette qui s'est déconnectée. Ah, quel plaisir. Ouais. On va commencer, hein. Ah, tu peux même pas. Non. Skid. Y'a Ellie qui te dit merci pour le VIP. Ellie. Ah oui. Bah de rien. Moi ça m'a rien coûté. Ah ça, moi ça m'a coûté un clic droit à roll le VIP quoi. Tu vois, et toi ils sont pas loin, ils sont devant, ils sont rattrapés, ça a rien de sprinter en fait. Tu restes avec les hommes de tête et ça passe. Je le savais que ça allait accélérer devant. Mais là, du coup, ils ont accéléré, ils sont un peu dans la D, parce que là, il y a la montée qui arrive. Oui, non, mais c'est pour ça, faut rester devant le peloton et tu suis. Ça a pas parti, ça partira pas. Si ça part pas au bout de 2-3 fois, c'est mort, le peloton, il me laissera pas sortir. Et vu que je suis dangereux pour le général, ils me laisseront pas sortir non plus, donc faut rester à la tête du peloton. Si tu restes en tête de peloton dès le début, l'échappée, ils vont rouler et c'est bon, tu vas te niquer. Ouais, je vois. Il faut montrer que tu veux y aller. Tu devrais t'accrocher à la roue de l'autre devant, par contre. C'est ce que je fais. L'échappée n'aura pas été. Non, bah, l'autre, ouais. Voilà. Ah, mais j'ai un décalage, moi. Celui qui est parti en sprintant, il aura fait que tu sois sur sa roue directe.
Bah pas forcément parce que là je m'économise du coup et j'étais dans la tête de peloton et toi je suis à leur roue. Ah bah oui. Mais là vu comment ça va grimper ça sert à rien de sprinter comme des bourrins, ils auront plus de jus dans la côte. Bah ce qu'il fait là c'est une connerie. Tu vas voir que moi je vais passer crème et je vais voir les points. Tu vois, faut rester voilà à ce niveau là. Ça a monté là. Ouais. Ça a commencé à monter. Tu te mets à ce niveau là. Tu gères ton allure. Et tu vas voir que normalement ça va passer crème. Au calme, ouais. Normalement ça va passer, mais même mieux, plus que mieux en fait. Ça va passer au KLM. La première difficulté du jour est déjà escaladée par les coureurs. Il s'agit de la montée de Nave d'Aubrac. 9 km à plus de 6% de. Et ce que je peux même faire pour être bien, c'est demander à un coureur qui est pas très en forme. Wesh, attends, je crois que j'ai découvert une touche pour mute, mais je sais pas c'est quoi. Ah. Je sais pas, j'ai mon Discord qui s'est mute. Ouais, j'étais en train d'écrire. Mais... Il faudra des qualités de grimpeur pour réussir à prendre l'échappée matinale. Voilà. Là, normalement, tu vois, ça va aller au crème. Okay. Aïe, aïe, aïe. Je viens de protéger. Une minute pour l'échapper. Je le vaux. Merci pour ton follow. Et on tape des mains pour Evie qui lâche le follow. Sur ce stream de vélo. Merci Evie. Ah, si tu me ramènes 5 personnes qui parlent en même temps, je te mets VIP aussi chez moi. Faut 5 personnes. Tu mets 5 personnes et t'es VIP. Elle est vite. Je crois qu'elle est VIP que sur le Discord, hein, parce que sur mon live, il avait pas VIP, vu que moi, je l'ai fait gagner les VIP. Ouais, mais je l'ai fait gagner aussi, mais là, je... Si elle, passe VIP, c'est parce qu'elle m'a ramené des 5 personnes, tu vois. C'est un bonus, c'est un ouais, cadeau, ouais. C'est un... La bonus. Elle l'a gagné, tu vois. Elle l'a mérité. On va m'arrêter. Après, tous ceux qui viendront de chez toi, ils seront VIP. Et après, ceux qui viennent de chez moi, merci pour le host. Et tous ceux qui sont de chez moi, que je sais qui sont pas de chez toi, par exemple, tu vois, je les ferai gagner aussi. Ouais. Et faudra que tu m'expliques aussi pour les dons, parce que j'ai un PayPal et je voudrais le mettre en route en donation. Ouais, bah. Ça faudrait que je le fasse, c'est pire quand je suis chez toi, c'est chiant à expliquer vraiment. Bon, on fera ça en com tranquillement, t'inquiète. Tu prendras le contrôle de mon PC au pire. Ouais, au pire, ouais. Au pire. En vrai, c'est tout con. Hein. Quand tu vois, en plus maintenant, c'est plus comme avant. Avant, c'était casse-couille à le mettre. Maintenant, c'est du tout facile. Ouais. Juste prépare-toi à faire une petite image avec ton PayPal, genre. Ouais. Marque vos dons, je sais pas quoi, ou dons, donations, ce que tu veux. Oh, attends, moi, j'aimerais bien refaire toutes mes bannières, tu vois. Faudrait qu'on en parle. Vu que c'est toi qui fais les trucs comme ça. Vu que c'est toi qui les fais, tu vois, faut falloir qu'on se pose et qu'on en parle. Mm. Parce que du coup, j'aimerais bien genre mettre un truc avec ma tronche, tu vois. Vu que je suis plus Kaneki, enfin, ça reste Kané, tu vois, mon blaze. Mais comment dire, tu sais. Les gens ils me raccordent trop à l'image de Tokyo Ghoul et tout, tu vois. Du coup, je pensais mettre ma vieille gueule là. Faire une gueule de con, une photo avec une gueule de con, tu sais. Ouais, bah, genre, ouais. Chaque photo, une bannière, tu vois. Ouais, bah ouais. Que ce soit sur les étapes de montagne. T'as vu ma bannière à moi? Comment elle est sympa. Il est à prendre avec sérieux. Faut que je la remette à jour. Ouais, mais je les vois pas avec le mode modo. J'ai le mode modo. Je te les enverrai après. Mais ouais, faudra qu'on voit ça, qu'on se pose, qu'on parle. Pareil, qu'on parle un peu, voir si. Histoire de faire vivre le Discord, tu vois. Voir ce qu'on pourrait faire. Mm. Pour faire vivre le Discord, parce que c'est vrai que. Mais moi, à l'ancienne, le mien, il vivait de ouf. Excellent. J'adore. Merci, Eve. Ah, excellent. Evie. Il vous reste 2 km avant d'arriver. Non, elle me dit toujours que je suis beau, donc je sais qu'elle le pense pas. Donc, c'est Ever dans Wally. Ever. C'est Evoli, son Pokémon préféré. Ah yes. Attendez, pas Evoli, ça sert à rien, frère.
Non, les évolutions, elle est terrible. Ouais, mais Evoli en soi, Evoli en lui-même, il sert à rien, frérot. Bon, Evoli, franchement, on peut quand même préférer Strakonfeu, cousin. Hop là, faut sprinter là. Ouh là là. Je vais tuer toi. Y a pas mieux que Strakonfeu. Non, 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 non. Bah, tu sais quoi, je vais tout le dos, Evoli, il sert à rien. C'est toi qui sert à rien, gros. Non, c'est toi qui sert à rien. C'est toi qui sert à rien. Fais gaffe, je vais te soulever, hein. Evoli peut se transformer en feu, en éclair et en... Moi je vais te foutre un coup de tête, je vais prendre ma main, je vais te mettre une nuque, tu vas être penché, oui. Paf. Penché, paf, fais gaffe, tu peux tomber enceinte. Hein. Mais t'es con putain, mets ta gueule. En tout cas, merci, excuse-moi, j'étais de l'autre côté, et l'autre il m'a cassé les couilles, enfin bref. Merci en tout cas, Créolas. De rien, plaisir, vieille. T'inquiète. C'est cool. Genre, j'étais en vocal, il y a quoi. Il m'a fait triper, Kaïd, quoi. En plus, je t'aime, toi. Il sait très bien que je vais pas dire non. Il pourrait même me dire, on peut poster la mamie du coin que je connais pas. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. On peut voler une banque. Ouais, ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Ah, moi, je suis comme ça, moi. Il n'y a pas de problème. OKLM, frère. Bah voilà. Mais, Kate, par rapport à ce que je t'ai dit là, j'en étais tellement sûr en vrai. Tu savais à quel point je m'en bats les couilles. Non, mais genre, il me dit ça, machin. Et... Mais gros, qu'est-ce que je m'en branle. Allez, on dépasse tout le monde. Allez, allez. Bah, d'après toi. Non, j'ai rien, moi. Bah, Shelby. C'est Shelby. Ouais, tu gardes ça pour toi. Non, mais je sais, cherche pas. Ah bon? J'ai dit non mais gros, tu m'as pris pour un lapin de 3 semaines ou quoi? J'étais jeune avant vous, hein, les trous ducs. Hein. Mm. Oh, putain, j'ai l'impression d'être vieille quand je dis ça. Merde! C'est de ta faute ça, Kane. Je me sens. Non, quoi que t'es. Je pense que je suis plus vieille que toi. Ouais, on est tous plus vieux que toi là. Hein. Ouais. Mais moi, moi je suis plus vieille qu'elle, moi c'est sûr. Plus vieille. Moi je suis plus vieille. Ouais. T'es plus vieille? Ah d'accord. Ouais, d'accord. Non, je suis sûr que je suis plus vieux que toi moi. Non, oh, bah c'est même. Enfin, sans être méchante, hein, c'est peut-être sûr. Si déjà que t'es plus vieux que Kane, t'es systématiquement plus vieux que moi. Ah oui. Eh ben voilà, donc t'es plus vieux que moi. C'est un grimpeur capable de suivre. Oh non, mais gros, j'en peux plus. J'en peux plus de ma vie. J'ai même pas fini mon message, s'il te plaît. Il y a la même. Là, je vais l'attendre après. Mais surtout que ce week-end, je suis pas là. Et dimanche soir, il y a ma grand-mère qui débarque. Elle voit le bordel chez moi. Elle va péter un plomb. Enfin, le bordel. J'ai un fils, donc c'est vite réglé. On sait tous ce qui se passe dans une salle avec un enfant. Ça s'appelle une maison qui a de la vie. De quoi? Ça s'appelle une maison qui a de la vie dedans. Ah bah voilà. Moi, c'est ce que je dis quand j'ai du monde avec ma fille, elle a foutu le bordel un peu. Hein. J'ai dit non, bah, c'est pas le bordel là, c'est ma maison à vie quoi. Non, des fois ma fille n'est pas là, mais ouais, bah, ma maison à vie. C'est tout seul. T'es con. Hein. Moi, non, mon fils a tendance à me retourner sa chambre. Genre, par exemple, je la nettoie le mercredi. Mercredi soir, il me l'a retourné complet. Puis après, il prend ses jouets, puis il me les met dans la salle. Ah ouais, c'est sympathique. Ouais, bon, on va l'excuser. Il va seulement avoir 3 ans en fin d'année. Hein. Ouais. Moi, il fait ça, ma fille, elle fait ça. J'ai dit, tu remontes ton jouet tout de suite. Ouais. T'as une chambre, voilà. Bah, bah, en plus, sa chambre, là, faut que je fasse le tri et tout. Elle est trop petite, sa chambre. Avec tous les jouets qu'il peut avoir, c'est trop. Ah bah moi, ma fille, c'est différent, elle a tout un étage pour elle. Ouais. Moi, il a juste une pièce de 10 mètres carrés. Hein. Ouais, moi, elle a 20 des poussières. Ouais, je commence à être lâché, putain. Merde. Genre, s'il te plaît, Shelby, ma pielle, en mode. Je dis, ouais, tu veux quoi? Parce que j'étais en train de manger, parce que j'ai tapé une petite crise d'hypoglycémie. Ouais. Et puis là, je vois qu'il m'appelle. Enfin, j'entends mon Discord. Je fais, ah tiens, c'est peut-être Kane, il m'appelle. Ça y est, je lui manque trop, voilà. Et là, je vois Shelby, je fais, putain. Il me veut quoi, lui? Il est en train de me dire, ouais, ils sont en train de monter un serveur et tout. Ouais, c'est cool, je m'en fous. Ouais, en plus, il pique toutes mes idées, mais qu'est-ce qu'il m'a sorti? Mais ils veulent même pas me mettre administrateur alors que 80% c'est mes idées, machin. Mais qu'est-ce que je m'en branle, gros? T'es souhait. Ouais. Ouais. Kane dans toute sa splendeur. Ah, moi, je suis comme ça, hein. Moins de 18, pas besoin de demander de jouer avec moi. J'ai moins de 18 ans, j'ai 16 ans. J'ai le droit de jouer avec toi.
Alors que j'en ai 12 de plus, mais c'est pas grave. Quand tu dis majeur ou rien, si je te montre mon majeur, ça passe ou pas? Ouais. Désolé. Ah bah tiens, Alexis. Salut voilà, Alexis. Alexis. Ça va, beau gosse ? Lui, je crois que ça doit faire pas loin de 8 ou 9 mois qu'il me suit, lui, sur... Wesh, Alex. Alors comme ça, tu m'aimais pas ? Allez, allez, c'est ma bonne chance pour ce sprint. Allez, allez les gars, souhaitez-moi bonne chance, parce que là, ça va être compliqué. Là. Ouais, bonne chance. Allez, je shoot dans les gens, au pire des cas. Hein. Maintenant. Allez, allez Bilbao, je crois en toi. Ouais, bah je crois que c'est mort. Hein. Non, ça y va. Si, c'est mort. Non, c'est mort. Non, ça y va. J'avais pas de jus. Oh, les boules, non. Je l'ai dit, hein. Je suis deck pour toi. J'ai essayé de le bloquer. Putain, bonne chance, merde. Attends, du coup, il restera on le dernier. On peut pas être bon partout, hein. Normalement, j'ai encore le maillot à poids. Hein. Ça va, j'ai récupéré quand même assez de points pour passer. C'est bien, il a raccroché. C'est bien. Je suis fier de toi. Bah ouais, mais maintenant, regarde, je te kiffe. Ah, je sais. Eh, il manque encore une personne à parler, les gars, et on est bon. Normalement. Tu vas tomber amoureux, Alex. On laisse Chou tranquille. Alex, sinon, je te défonce ta gueule. Et je le dis à ta femme. Il y a trop de gens qui m'aiment. Oh, j'ai pété en disant ça. Mais j'en peux plus. Ah, attends. Il va péter. Voilà. Ah non, moi ça va. Pas envie. Au calme. Attends, je vais aller faire claquer ton petit lien. Ça, c'est possible. Vas-y, si tu veux, je te soulève quand tu veux, Alexis. Et devant ta femme, en plus. Histoire que tu as bien la honte. Attendez, je vais aller partager... J'ai reçu un mail, normalement. Attends, où est-ce que je suis ? Il faut que je l'ouvre. Merde. C'est moi qui a bugué ou je vois plus tant j'ai bougé, là ? Non, c'est normal. Ok. C'est parce que je suis sur le bureau, là, je regarde un truc. J'ai reçu un mail, il faut que j'ouvre le mail. Oh. Putain ! Un mail important, en plus. Pardon. Attends. Tes souhaits. Cochon. J'suis en train de manger, t'as pas fini, hein. Non, c'est pas là. Merde, putain, c'est où ? Comment je fais pour ouvrir mon mail ? Vous êtes plusieurs ? Okay. T'inquiète, juste moi toute seule, je te soulève, gros. Y'a pas besoin que j'ai besoin de gens, moi j'ai pas besoin de moi, gens. Moi je regarde. Je me défends toute seule. Un coup de niflon et ça passe. Laisse-la croire, Alex, t'inquiète. Les meufs, faut toujours leur laisser croire. Mais ta gueule, toi. Je vais te foutre un coup de niflon, je vais te one-shot, gros. Mais tu sais pas, toi, ça se voit. Pff, t'as que de la gueule, de toute façon. Merde. Dit-il. Et franchement, le respect chez Kane, il existe abs, en vrai. Il rote, il pète, il parle en ayant la bouche pleine. Alors, y'a quoi, frérot? Tu me tues, putain. Mais j'en peux plus de lui, j'en peux plus. Je vous le donne. Ah non, quoique j'en ai besoin dans ma vie. Non, je vous le donne pas. Wesh, Coxy. C'est moi, c'est lui, Coxy. Putain, elle avait la CDS, ça fait gare. Gare au con, ma fille. Gare au con. Bon, sinon, c'est pas vous. Ouais. Je suis censé faire mon ménage, mais je suis en vocal avec eux. Tout va bien. Crasseuse, là. C'est son toi, ménage. T'as entendu, elle a assumé, elle fait pas son ménage. Il manque une personne. Faut qu'il y ait une personne qui vienne parler et on est bon.
Une personne de quoi? Parce que comme ça, je peux débloquer les VIP. Ah, j'ai partagé, j'ai fait de la... Tu peux demander à Kay une idée sur mon Discord. J'ai vu ta host. Ça me... En fait, quand tu host, ça me... Non, elle a fait une pub aussi sur son Discord. Ouais, sur mon Discord perso, je l'ai mis. Hein. Ouais, mais ça, quand... il y a quelqu'un qui a host et ça m'a mis le... Mais c'est moi. Oui, bah c'est ce que je t'ai dit, je l'ai vu. J'ai vu ce que t'as fait. Ça m'a fait un son, en fait. Normal, je... Normal, je suis la meilleure. Ouais. C'est tout. Ouais. Tu mets pas forcément le, plus, si le bon. Proverbe que j'aurais à utiliser, mais. Là, tu vas-y, mets... sors-le ton proverbe parce que je sens que je vais te soulever. Là, il y a une personne de plus et je vous passe VIP, les gars. Obligé. Fais vraiment, hein, fais pas la meuf avec moi. Moi je suis mais un... Tu vas me faire moi, quoi je... Tu vas me faire quoi Moi, je suis un dangereux. Normal. Non, normal. Crew, il me connaît, hein. Moi, je suis très gentil, hein. Mais attention, hein. Ouais, qui s'y frotte, s'y pique. Vas-y, viens, je te donne mon adresse sirote. Quand tu veux. Qui s'y frotte, sirote. Creux, il connaît, hein. Tu sais, Eve, quand je t'expliquais les gens qui font les manades à l'ordinateur, je connais, hein. Creux, il en est témoin de ça. moi, non, j'ai vu des gens, ouais. Oui, bah, c'est ça, t'en es témoin. Ouais, oui, j'en suis témoin. Les gens qui baissent la tête et qui disent bonjour. Ouais. Moi, je bégaye pas, moi. Non. Mais en vrai, je suis gentil, hein. Je suis une miel. Ouais. Miel. Je suis pas sûr du truc là. Putain, il me manque un gars, quoi. Un gars et c'est bon, quoi. Ah ben, je peux pas. Attends, je vais voir qui c'est qui peut venir. Il me manque un gars. Ah, peut-être Ryuk. Attends, je vais lui demander. Riri là-dedans. Ryuk. Tu peux me rendre un service, s'il te plaît. Ah, ça serait énorme si je peux passer VIP aujourd'hui. Ah, il faut le comptabiliser que ce soir, de toute façon. Ouais, mais c'est pas grave. Mais si ça marche, je vais en claquer des VIP. imagine que j'ai actuellement 80 badges de VIP, j'en ai que 14 utilisés. Et ça sert à quoi le VIP en fait? Merci Alexis. Rien. Alex qui héberge le soutien est finalement présent sur ce live, sur ce streamer Véloyeur. 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 Tu sais que ça, veut strictement rien dire ce que tu dis. Ouais. Laisse-moi tranquille toi. Mais tu vas me faire quoi toi? Violer. Je serais consentante, ça serait pas un viol. Oh en mode 18, Ouais, j'avoue, t'es en mode 18 parce que là. On va raconter des conneries, hein. Moi, je suis non, toujours, faut toujours en mode 18. Moi, je suis toujours moi. Moi, je veux pas de gamin. Ah, moi aussi. Attends, je vais lui demander à Riri. Ah, attends, je vais même rajouter. Ça, je suis pas tranquille. Ouais. Je vais même rajouter le logo. Voilà. Hop, je rajoute ça de suite. Sur le live parce que je veux pas de gamins qui viennent faire chier. Ça part en couille. Je m'en alors, voyez voir. Tu voyez voir tes heures de stream. Non, mais il dit ça pour rigoler. Alors, tu live tous les jours. D'accord. Ouais. De 14h à 18h, sauf près, le samedi, de 20h à 4h du matin. 18 plus. T'as pas plus gros comme image. Je lui dis, je viens. Tu m'as fumé. Oh putain, faut que je réfléchisse la page, j'ai bugué. Ah, il y a quelqu'un qui a ouvert un ticket. Voilà. Les gars, je me souviens que c'est un genre un dossier bon. Bien le vaut. Eh, merci pour ton follow. Ouais, merci pour le follow. Ryuk, t'es le best. Je t'aime fort. Ryuk écrit un message. Mais Ryuk, ça fait 4, un peu plus de 4 ans que je stream, ça fait 4 ans qu'il me suit. Eh ben. Il a installé Twitch exprès pour pouvoir me suivre et suivre mes conneries.
Parce qu'avant c'était YouTube, c'était YouTubeuz. YouTubeuz, pas beauté. Je viens de la part de Jess. Mais dis pas mon nom, putain, Ryuk. Putain, voilà, je suis cramé. Ok. Quoi. Bon ben, salut Jess. Evelyne, non mais cherche pas, c'est trop tard, Ryuk. Trop tard, elle est cramée. L'erreur voilà. De Ryuk sur ce move. C'est l'erreur des débutants, ça, c'est rien. Le joueur français est maintenant en PLS. Non mais, hey, il connaît son prénom, ça se voit qu'ils sont intimes. Moi, je dis ça, je dis rien. Y a le Nono. Gros, il a 16 ans, 16 ou 17 ans. Il y a Nono aussi qui est là. Mais... Bonjour à toi, Nono. Comment vas-tu, Nono, le c'est Clipper le fou. Meilleur. C'est Nono, c'est le meilleur. C'est mon modo. Qui... 16 ans, c'est la majorité sexuelle, j'y sais rien. Mais... J'ai 20 ans. Ah, oups. Oui, mais t'es quand même trop jeune pour moi, donc. Merci même, pour ton follow. Je préfère les hommes poilus. Nono, le Clipper fou qui. Nono, merci, Nono. Ah, franchement, vous êtes des amours, la commu. Vous êtes des amours, je vous kiffe. Je vous big love, les gars. Et on envoie plein de GG pour Nono. Attends, je vais faire des copier-coller, ce sera plus simple. Toi aussi. Ouais, j'ai de la flemme. Malade, mais ça va. Bon, bah, si ça va, c'est le principal. Bah, maintenant, c'est bon. Du coup, on va remettre. Donc, Nono, comme je disais, comme vous entendez une voix d'un genre chelou, c'est Kaïd, donc c'est celui que je vous parlais hier. Qui est voilà. Voilà. Et du coup, coucou à tous ceux que je connais et tu les. Bisous, bisous, moi, Nono. Yes, les copains. C'est bon, ça. Oh, on voit à quoi tu ressembles. Un autre barbu. Un barbu pour faire de cul. Barbu, barbu, bouffe-moi le cul. Non, rien. Rien. Après ou avant d'avoir fait caca. Avant, quand même. Bah après, il y a plus de goût. Hein. Oh, t'es après, dégueulasse. Après, ça rappe, ça va chercher les bords. Oh, mais vous êtes ignobles, les gars. Putain, bande de scatophiles. Gratte la croûte avec les dents. Exactement. Comme on dit, casse la croûte et avale le pu, hein. Oh. Cela lui devient hardcore. J'ai mis moins de 18, hein. C'est bon, c'est placé. Ça passe. Ça passe crème. Maintenant, j'ai dû en bouffer, alors demande à Jess. De quoi tu me demandes à moi de quoi ? Putain, ça y est, voilà, je suis... Eh, bouffeuse de croûte de Bibi 740. Vous êtes des bâtards, putain ! Eh, la Saint-Jessica, c'est au mois de novembre, vous excitez pas, hein, c'est le 4 novembre, pour info. J'adore. Car voilà, j'ai de la beubar. Ah ouais, j'avoue, il a de la beubar, gros. Quoique, la dernière fois que je t'ai vu, Alex, t'avais rasé trou de balve. Et encore, avant, je l'avais jusque là. Je sais pas si on verra bien la caméra. Ouais, mais on aime bien les. Quoi, t'as coupé? Oh. Je vais faire en fils. C'est simple. Avant, j'habitais en région parisienne. Chaque fois que je me faisais contrôler dans le métro, j'étais sur le côté, j'étais fouillé. À cause de ma barbe. Il y avait une barbe trop grande. Ah, moi, c'est juste à cause de ma gueule. Ouais, mais. Moi, c'est à ma barbe. À ma barbe, il m'arrêtait les gens. Ah, c'est bon, t'as eu toutes tes personnes là pour ton truc VIP là. Normalement, ça va être bon, ouais. Merci les copains. Ça a repoussé. Allez, vas-y, fais péter une photo snap, Alex. Mmh. Moi, je veux voir. Ah, je suis content. Bon, Jigo, ciao. Ouais, ciao, Ryuk. Merci ciao, à toi, Riri. Merci d'avoir donné ta. Merci beaucoup. Merci d'avoir donné ta ce fort, frérot. Merci, en tout cas. Et puis. Et ça prouve que ma communauté, c'est The Meilleur. Merci pour ton follow. Yo, Anto, comment vas-tu? Et merci du follow, yo, Anto. Merci pour ton follow, ouais. Bienvenue à toi dans la Touquet Family. La Touquet Family, ouais. D'ailleurs, on va passer en Touquet Créolas hein, bientôt. Hein. Ce sera peut-être temps. Ouais, je laisse Créo, comme ça, il est bien. Non, tu... bah ouais, Créo, Touquet Créo. Ouais.
tout créo. Faut mettre le touquet. Je vais mettre tout créo. C'est dans notre commu. Hein, ouais, 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 ouais. Je vais le mettre des professionnels. Je vais le mettre quelque ouais, part. Mais moi, je mettrais pas touquet Ivy. Ouais, en même temps, tu fais pas partie d'un. Bah ouais, voilà, d'abord. Je suis déjà VIP, c'est déjà pas mal. C'est pas faux. Bon, bah ça peut s'enlever, ça. D'accord. Genre, je viens d'avoir VIP et tout. Alors, les gars, je suis traité, aidez-moi, s'il vous plaît. Pour rester VIP, il faut coucher. Vas-y, mais là, je l'ai taillé et tout. Mais vas-y, fais péter la photo Snap, gros. Moi, j'ai dit que je devais me tailler là-bas, mais. Non! Calais, dévoue-toi, ouais, mais... pour après ces VIP, faut coucher. Ah, j'ai pas couché. Eh ben, faut coucher. Coucher, gros. Ah, pour rester VIP, faut coucher. VIP. Qui va VIP? Passez sous mon bureau. Calais, dévoue-toi, vas-y. Oh, putain. Ah la vache. Et sinon, Créolas, raconte-nous un petit peu ce que tu fais sur ta chaîne, hormis du vélo. Que de la simulation. Tu joues à Euro Truck Simulator 2 ? Tous les jeux de simulation. Je t'aime. Voilà. C'est bon, Kane, je te lâche, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Non, je rigole. Ouais, mais ça va pas être possible. Je le dis direct. Non, mais moi non plus, hein, voilà. Je te rassure. Hein. Tant mieux. Non, je te rassure. Mon cœur n'appartient qu'à une seule personne. Oui. D'abord, à mon fils. À Miss Tinguette qui est à côté de moi. Là. Je ne la vois pas, la jeune donzelle. On la voit pas parce que je la montrais jamais en com. Un grenouille. Bon, on l'entend des fois, elle fait des petits bruits. Là, et... Moi, j'ai vu, j'ai des photos, j'ai ouais, t'as prises les photos, dans mes bras, moi j'ai tout. Ah bah tiens, attendez, moi je dis Alexis m'a envoyé la photo, vas-y. Vas-y, attends. Vas-y, partage. Attends. Ah ouais, non, mais attends, je vais mettre ma cam, ça ira plus. On verra via ma vieille tête de merde, là. C'est quoi cette beubarde de bébé, regardez. Beubarde de bébé. Je regarderai après, moi. Ah, mais je peux pas faire de capture d'écran, gros. Je suis en train de diffuser actuellement ma vieille tête de merde. Enfin, la vieille tête d'Alexis, surtout. T'inquiète. Oh là là, Alexis, elle te clash, hein. Elle ouais. Clash, Alex. Mais qui aime bien chat si bien d'abord. Moi je dis défends-toi Alex. Hein. Ouais j'avoue. C'est quoi cette coupe de cheveux de PD là? Alexis, faut qu'on parle toi et moi là, ça va plus hein. Oh là là, Alex il se laisse faire comme ça là, oh là là. Ça m'aura non mais plus, moi, il sait que je le clash mais je le kiffe. Il me fait triper. Bon et précisons hein, j'ai joué à Fortnite avec lui. No clash. Ah c'est quoi ce jeu de merde là de cancer là de gamin. Bon mais ça fait des mois et des mois que j'ai pas. Attends, où est-ce que je peux le claquer en vrai, la photo? Parce que bon, vous avez pas de channel où on peut discuter en vrai. Si. Attends. Partage. Non partage, ouais tu peux. Il y a même okay. Un partage moins de 18, mais faut prendre les rôles. Là, il y a tout en haut, il y a bienvenue, il y a rôle, et là tu prends. C'est bon. Oh là, Alex, elle a affiché ta tête sur le Discord. J'avais plus avant, j'avais quasi la même que Créo, mais partout. Ouais, ça je confirme, j'avais une grosse beba. Moi, ça en dit long sur ce que j'écoute comme musique. Hein. Et je pense. Il écoute du classique. Ouais, du classique. Il écoute du rap. Absolument pas. On est d'accord. Oh, mais ouais, mais non, mais là. Déjà, quand t'écoutes mon générique YouTube, déjà, t'as tout de suite compris ce que j'écoute comme musique. Vas-y, attends, je vais aller regarder. Attends, je vais te la mettre, bouge pas. Attends, foutu mon question. Ah, j'adore. Voilà. Alors, j'adore, ah je valide, tu je valides. Valide. Ah moi je suis plus, attends, où est-ce que je, on peut claquer des YouTube sur ta chaîne ou pas? Je sais pas si c'est activé, essaye voir. Attends, on va voir. Non. Ça va me le dire, mais ça c'est bloqué. Moi je vais te faire écouter. Normalement, en fait, tu peux autoriser, je crois, Canet, avec tes modos.
Quand il y a des gens, ils mettent des liens. Soit tu refuses. Pas les liens, soit c'est les messages avec des caractères interdits, oui, mais pas les. Pas les ah, non, c'est bon. Non, ça marche pas. Si, moi, ça m'affiche. Ouais, mais il n'y a que toi que ça affiche. Ah, bah attends, je te l'envoie en MP. Bah non, faut que tu me l'envoies à moi. Ouais, voilà. Bah oui, j'ai dit. T'écoutes ce que je dis un peu. Non. Bah oui, comme d'habitude, de toute façon. Et si moi je veux pas ma photo sur Discord, on fait comment? Ouais, je la supprime. Moi je peux. Alors c'est mieux, t'as oublié de mettre le lien. Hein, si tu veux payer le truc, clique ici, mais y a pas le lien. Ouais, y a pas le lien. Si comme moi tu veux sauver les pandas, abonne-toi. Eh, moi aussi j'aime bien les pandas. Bah abonne-toi. Bah ouais, bah tu me donnes des sous. Non. Bah voilà. J'en ai plus. Bon, ma carte bleue est bloquée alors, comme ça c'est fait. Ouais, y a pas le lien, faut que je mette mon lien un truc. Je vais essayer. Wisebot. En fait, le début il est un peu gnangnan, hein. Il faut aller, je crois, à une minute, je crois. Une minute et quelques. Pire des cas, tu mets deux minutes, ça va plus vite. Non, parce que si je dois claquer un sub, c'est déjà chez Kane, avant toute chose. Hein. Déjà. Lien de la société. Ben non, c'est invalide. Voilà. Je vais la refaire, la société Eurotruck, Connor. Je vais la rouvrir, moi. Ouais, bah là, faut qu'on change de nom. Hein. Non, je garde le même nom, c'est la nôtre. FG Logistique, ouais, mais on a changé. Maintenant, c'est OK Logistique. Ouais, bah c'est pas grave, on va changer. En vrai, je m'en fous, Kane est tellement pauvre qu'il mange des gâteaux secs au miel. Allez, tu m'as tué. Oh, le bâtard. Vas-y, laisse-moi tranquille avec mes gâteaux au miel, là. Putain, t'as vu comment t'es? C'est dégueulasse, les gâteaux au miel, gros. C'est pour lesquels, j'en connais des bons, moi. Moi, je mange, hein. Ah, lui, il s'en fout. Du moment que ça rentre, il s'en fout. Ah, moi... Ouais. Est-ce que t'as point d'exclamation Discord, toi? Je l'ai pas mis. Mais non. Mais de toute façon, tu l'es sur le Discord. Hein. Tu y es déjà sur le Discord. Mais c'est pour donner les Discords aux gens quand ça y rejoignent. Ah, mais je l'ai pas activé encore, le Discord de Canet, dessus. Oh là 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 là. Ouais, juste à faire ça, hop. Ouais, je vais accélérer un peu. Bon, attends, là tu vas voir. Attends, je vais te montrer ma vieille tête de morue là. Ah, c'est Pozo Vivo devant là. Ah putain, j'aurais dû le suivre lui. Merci Jess, le miel c'est dégueulasse. On est d'accord, Alexis, totalement d'accord. Non, mais moi c'est je te dis, j'ai des gâteaux au miel qui sont délicieux. C'est dégueulasse le miel. Putain, et il est 15h44 et je suis censé partir dans moins de 2h. Dans 1h20 exactement. C'est vraiment des très très bons. J'aime pas le miel. Ah oui, mais je te dis, je te fais. Oh, c'est comme les gâteaux, tu sais, les gâteaux des Algériens, Marocains, Tunis. Ouais. C'est hyper, hyper sucré de ouf. Ouais. Tu vas avoir le diabète, Macroute. Bah tu bouffes ça. Ouais, ça, c'est, les macroutes. C'est les gâteaux des Somaliens. Des cornes de gazelle et tout. Ah non, mais gros, c'est tellement hyper sucré de ouf. C'est le gâteau de Somaliens, ça. Ils en mangent un, ils mangent pas de l'année. t'en manges, t'as le diabète, gros. Les balistos, pourtant, je kiffe. Ah ouais, c'est trop bon, ça. Merc. Sans moi le miel, sauf pour les miel pops. Non, mais moi, les miel pops, j'aime pas trop ça. Il y a des gens, ils se lavent tellement, tellement souvent que les miel pops, ils chopent bien avec dans ses oreilles. le Discord de la Touquet Family, Alex. Tiens, Alex, vas-y, rejoins. Tu serais une goule. Pas une goule, une goule. Non, il y est pas, Alex. Alex, mais il est même pas sur mon Discord, ce trou du cul. Ouais. Je vais le goumer. Il va rejoindre la Touquet Family, il a des préférences. Ça va pas se passer comme ça, Kane. Oh, la vitesse, 65 km en descente, 64, 65, attention, la vitesse de ce joueur est pas vraiment exceptionnelle au final. Il s'enjaille tout seul pour rien. On appelle ça à mettre de l'ambiance, ma chère. Oh bah oui, mon cher ami, hein, aristocrate du cul. Fais-moi la bise comme un aristocrate. Aristocrate.
Eh, moi, la baisse comme un aristocrate. Ouais, j'ai juste un truc à dire. Kane aime le rose. Le rose. Ouais. Parce que gros, ton caleçon, il était noir et rose. Et alors? Il a même pu être tenu chez soi, quoi, c'est dingue. Ça va être compliqué d'aller au bout. T'as été chercher tes clopes, au fait, Kane? Ah, ça y est, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Bien. Tu veux pas venir m'aider? Ouais, wallou, wallou. Vas-y, tiens-moi au moins compagnie, gros. Je suis pas gros. Je suis juste un peu enveloppé. Je mange bien à la cantine. Qu'est-ce que j'aimerais dire, alors? S'il te plaît, je crois que je dois faire 10 kilos de plus que toi. Merde. Ah, mais t'as c'est la taille. Je fais 1m83 pour 85 kilos. Moi, je fais 1m66 pour 90 kilos. Je suis officiellement moi, je une boule. 1m86 pour 73 kilos. Voilà, vous merci. Êtes trop maigre. C'est bon, j'ai rejoint. Alex, si tu veux vocal avec nous, on n'est pas contre. Faut juste te mettre dans viewer. Et on te switch. Par contre, moi, je crois que j'ai pas les permas pour switch. Administrateur du monde. Moi, je crois pas. Moi, je crois non, pas. Les vieilles pions ont juste accès au channel bloqué, mais je pouvais pas. Bah, j'avais le. Il y a que les modos et les admins qui peuvent. Bah, après, en tant que les admins, c'est les fondants en fait. C'est... Là, y a pas de fonda. Y a pas d'admin, c'est les fonda et les modos. Ouais. Bah, je trouve que c'est mieux comme ça, en fait, les admins, ça servent à rien. Bah, on a déjà des modos, donc. Des modos qui sont inutiles, en fait. Ouais. Je te jure, je suis même plus présente que tes modos à toi, Kain. Les moyens. Bah, maintenant, ouais, mais avant, non. Avant. Mais avant, je te connaissais pas, hein. Franchement, avant, là, et le Discord, genre, tous les jours que tu venais, toujours il y avait du monde dessus. R6 à Rocket League, t'as toujours du monde. Puis après, je me suis fait pirater par un russe. J'aurais bien voulu, mais faut que je mette mon tel en charge. Car plus... Mais t'as jamais de batterie, Alexis, t'es sérieux ou quoi? Au fait, l'hôpital, ils t'ont remboursé ton téléphone ou pas? What? Ils lui ont fait quoi, la télé, l'hôpital? En fait, il a subi une opération, sauf que ces connards, ils l'ont déshabillé, sauf qu'ils ont oublié d'enlever son portable de sa poche et le téléphone est passé dans la machine à laver. Ah merde. Ah ouais, lourd. Ah, c'est précisons, c'est un iPhone. Ah oui, c'est ballot. Ah merde. Ça c'est con. Ça fait quoi de payer un téléphone le prix d'un smicard et depuis de là-bas à cause de machine à laver. C'est ce qu'il fait. Moi j'ai un LG des années 20 et enfin ça marche pas bien. Je vais mettre le live en pause vite fait les copains. Faut que je donne le biberon à ma fille, elle le réclame. Là. Bah iPhone quoi, bah ils ouais ils sont remboursés. Ah, bah c'est déjà pas mal. Je me mets en pause 30 secondes. Oui, non. Et voilà, c'est l'heure de la pause actuellement. Ouais. C'est l'heure de la pause biberon pour ma fille. Oh, chouchou. Chocolat. Allez. Ah, ça y est, elle commence à se mettre assise toute seule, Kané. Elle m'a fait ouais, c'est simple. Hier. Ça va vite. Bon, allez, c'est pas que je m'ennuie avec vous, hein. Kane, je t'aime très fort. Hein. Créo, pareil, mais faut que j'aille peut-être bouger un peu mon cul en fait. Ça marche. Ouais, en plus, j'ai les valises à préparer. Je sais pas, ils ont remboursé de 140 euros, c'est un tel qui en vaut quasi 100 de plus. Ouais. Ouais, mais c'est des bâtards. Hein. C'est dégueulasse. Quel bon enculé. Allez, des bisous. Des bisous. Artoun, bisous et des bisous Artoun. À tous. Hey, salut Flavien. Attends, je fais la salut, petite pause. Salut Flavien, le gamer. C'est parti. Et bah des bisous à ta nénette, tiens. Ouais, je lui en fais un, tiens, regarde. Voilà. Allez, bisous tout le monde. Et puis bah, Kain, hein, tu sais que mes MP sont ouverts. Ouais, pas de soucis. Allez, des bisous. Et les sextos, ouais. Ça marche ou pas? Non, il veut pas me donner son numéro, ce connard. Ah, je l'ai, je te le donnerai. Vas-y. Allez, des bisous, les gars. Bisous, ciao, ciao. C'est l'heure de la pause. Ouais, vous voulez faire pas la pause, allez-y, hein. On peut discuter, on peut, ouais. On peut s'enjailler. Pause biberon vite fait, là. Nono le clipper, il est là. Voilà.
Moi, je suis actuellement sur Rock Tech. Yes. Je suis pas trop mal parti là. Hein. Ah, et j'ai pas. Hop, c'est bon, j'autorise ton message. Tu peux dire que je suis le meilleur modo, Alex, y'a pas de problème. Oh, ma voiture rose. Je vais essayer de faire des VIP, voir là. Je pense pas que ça va marcher encore. Mais... On va tenter Alexis, voir. Non, ça marche toujours pas. Ok, non, c'est pas grave. Je vais aller voir quand même si ça marche. Hop. Sur le tableau de bord. Analyse, succès. Ah, il met toujours 3 sur 5. Ok. Ok, ok. Ça marche. C'est toujours pas activé. Bon, c'est cool. C'est pas grave. C'était sûr, de toute façon. Et 1-0 pour l'équipe française. Je suis avec un mec là, dans mon équipe, il boule chaise. Ouais. Et il touche presque jamais la balle. Ok. Quel plaisir. On est 2v4 quoi. Oula, toi t'as fait de la merde là. Qui moi? Sur ce, je vais mettre mon tel en charge et après je vous pars à plus tout le monde. Et bon live en tout cas. Merci Alexis, merci, merci. Ouais, bisous Alex. Sans moi ce soir du coup. Ouais, à ce soir. Ouais. Allez ma choupinette, finis ton bureau. Oh là. Attends. Ah là là, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Oui, ça revient, ça revient. Oh. Bonne fin d'après-midi, Alexis. Ouais. Qui dit monsieur le nono clipper. Merci à Nono qui souhaite une bonne après-midi à Alex. Alex qui s'en va charger son téléphone. Avec la voix du commentateur, tu sais. Aujourd'hui, nous retrouvons Marguerite. Marguerite Lapine. Vas-y, il est nul lui, hein! Marguerite Lapine! Moi, le biberon, ma chère. Petite grenouille.
Ah, c'est pas très enthousiasme là. Hein. Ah putain. Allez, le vélo, lol. Ah ouais, c'est la pause, hein, c'est de la pause. Ah, l'air de la pause. Putain, il casse les couilles, il me bump là, on est dans la même équipe, bande de schlag. Allez, bois, 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 bois. Pourquoi je bug? Allez, allez, il ne reste plus grand chose, ma chérie. Et on y retourne. Là, je suis pas trop mal. Hein. Ça va être compliqué pour la dernière montée, mais c'est pas trop mal. J'ai pas réussi à passer en tête de chaque col. Mais j'ai récupéré des points, donc ça devrait aller. Oh, tu baves, ma chérie. Bon, hop, match perdu, super. Parce que je suis avec des trous de balles qui savent pas jouer. Voilà, t'as fini, ma chérie, c'est bien. Ça qui me plague, hop. Voilà. Allez, on essuie la petite bouche. Voilà. Nickel. On y retourne. Et c'est reparti pour le vélo Yerfou. Bah oui, t'es fatigué maintenant, mais oui, ça va faire de dos. Vous approchez du sprint intermédiaire. T'as commencé un Tour de France, pas encore, après. Je voudrais finir le critérium avant. Ça serait vraiment cool. J'aimerais vraiment finir ça. Il y a quelques courses à faire. Je vais voir si j'arrive à faire cette course là bien. Je continue, si j'arrive pas à la finir, je vais les simuler. Ah ouais? Ouais, parce que je pense que là ça va être très compliqué de faire un truc propre. Là pour le moment je suis bien parti, là je suis pas inquiet. Faut juste que je regarde Hirschi. Hirschi il est bon, Kamna il est bon. Pour le moment c'est bon. De toute façon on arrive dans le final, c'est plus le moment de collaborer. Voilà, j'ai pris les points qu'il me fallait. Ils sont fatigués, pas moi, donc du coup, nickel. Vraiment, elle est pas mal. Vraiment, là, je suis content. La fin d'étape approche. Soyez attentifs. Ça devrait pas tarder à bouger dans le peloton. Ils reviennent derrière par contre. Hein. Ouh là là. Ouh là 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 là. Ouais, il attaque maintenant lui, mais c'est un grand malade, ça sert à rien. Le peloton est maintenant pointé à une minute. Oui, t'es fatigué, ma chérie, tu vas aller faire dodo. Tu te frottes les yeux. Tu veux que je t'allonge? Tu veux faire dodo? Lève la main de tes yeux. Elle fait triper. T'es fatigué? Ton équipe roule pour classement général. La tête de course aura du mal à creuser plus d'écart. Allez, c'est pas mal ça. Je reviens dans les roues du gars de devant là. 1 minute 30 de retard pour le peloton sur la tête de course.
L'écart grandit, mais pas d'inquiétude. Ils sont mal placés au général. Oh putain. Moi j'ai mal pris le virage. Voilà. Coucou. Une 42, ça va être compliqué de recreuser plus l'écart. Ils ont encore du jus, hein. Je pense que Hirschi va perdre son maillot jaune. Hein. Devant, c'est le mieux placé au général. Les hommes de tête ont encore de la ressource. Ils accélèrent le rythme pour tenter d'aller au bout. Ils veulent surtout m'éloigner de l'échappée, ouais. Les adversaires haussent le rythme pour résister au peloton. C'est comment ça? Ok, ça marche. Ok. La tête de course débute maintenant l'escalade du col de Peratayade. C'est la dernière difficulté majeure sur la route des coureurs aujourd'hui. Allez, on se met bien, on se concentre. Il faut essayer de rester dans les roues de Pozzo Vivo qui est passé devant là. Avec 7,4% de pente moyenne sur une distance de 8 km, ce col devrait faire office de juge de paix pour la victoire d'étape, même s'il reste encore une côte de 3e catégorie par la suite. On y croit. Je me serais mêlé avec les meilleurs, mais j'aurais pas gagné un col aujourd'hui. Je te jure. Non, t'es fatigué, ma chérie, tu vas aller où là? Accélère un petit peu le pas. Sommet empocheront des points pour le classement du Grand Prix de la Montagne. Il y aura 10, 8, 6, 4, 2 et 1 point à marquer. L'échappée résiste bien au retour du peloton. L'écart semble stabilisé. Non, pas maintenant, pas maintenant. Les premiers affrontent en ce moment même. J'ai 5 km, faut pas que j'attaque maintenant. Du col de Peratayade, 2 km à plus de 10% de pente moyenne. Au dernier kilomètre, j'attaque. Kilomètre.
Là, j'essaie de me mettre derrière dans sa roue. Si possible. Voilà, je vais me mettre dans sa roue. Pour récupérer un peu de forme. Il nous a virtuellement pris le maillot blanc. Voilà, j'y vais sans forcer là. Il est lâché. L'étape est finalement trop dure pour lui. Bon, ça va être compliqué. L'échappée a peu de chance d'aller au bout, les gars. Faites attention au contre. Ça va être compliqué, je vais être en rouge. Je vais être dans le rouge. Je vais être dans le rouge. Ouais, je suis en défaillance. Putain. Un équipier vient de se faire lâcher. Ah bah bravo. Ouais. Ah, mais il est déjà en méforme, Bilbao. Hein. C'était sûr que ça allait pas passer. Ah là 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 là. Enfin, c'était sûr, non, mais. Enfin, rien n'est joué encore. Hein. J'y crois, hein. Classement grimpeur dans 2 km pour l'échapper. J'y crois encore. Hein. Parce qu'il doit pas être en si mauvaise forme. Il doit être dans le même état que moi, le gars en face. Hein. Alhamdoulilah. Oh, j'ai 2 mecs avec moi, ils ont 4 points chacun. Ouais, ils sont nuls, ils touchent pas la balle. Ouais, super. Attends, je me concentre. On gagne 1-0. Dernier kilomètre. Ah là là. Dernier kilomètre. Allez. Faites gaffe quand même aux attaques dans le final. Ah la vache, ça va être compliqué. Notre leader lâche prise. C'est pas le moment. Le peloton est maintenant pointé à 1 minute. Non, c'était sûr. C'était sûr, putain. Voilà le classement du dernier grimpeur. Pozzovivo trop fort. Les premiers coureurs basculent maintenant dans la descente. Il reste 30 km à parcourir. Putain, et Hirschi, il m'a dit qu'il était en train d'être lâché. Oh là là, ça va être méga compliqué. Il est où Hirschi là? Oh, il est loin. Hein. Oh là 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 là, ça va être méga dur. Faire gagner Hirschi, ça va être mort. Je perds le maillot jaune. Bon. C'est pas grave. Au moins, on sait à quoi s'en tenir. On sait que c'est dur. Il va falloir faire une équipe plus forte. Ok.
Ok. Là, je sais à quoi m'en tenir maintenant. Pour la tête de course. Mais rien n'est joué, hein, c'est pas parce que je perds cette étape-là que je vais pouvoir perdre les prochaines. Hein. Mais j'aurais pu faire mieux. Ouais, j'aurais pu faire beaucoup mieux. Mais Bilbao, il est en méforme. J'aurais dû jouer avec la gestion de forme avant les étapes, avant la saison. En gros, avant chaque début de saison, on peut faire rouler pour revenir. Non, ça sert à rien, ils sont cuits, regarde. Je peux pas les faire rouler, ils sont morts. Ils sont morts. Non, mais c'est mort, je vais perdre mon maillot jaune, c'est pas grave. Mais en fait, avant chaque saison, on peut dire à chaque coureur, je veux que tu sois en pleine forme pour telle épreuve, toi pour telle épreuve, toi pour telle épreuve. Et le problème, c'est que j'ai laissé deux bases et j'aurais dû choisir mes coureurs que je voulais vraiment pour les étapes en fait. Mais je sais que pour les prochaines à venir, Paris-Nice, je vais mettre Bilbao, Bilbao-Kamna. Et le critérium du Dauphiné, Bilbao-Kamna. Après, pour les autres, j'ai d'autres coureurs qui sont assez forts pour la gagner. Donc ça m'inquiète pas et ça va le faire. Mais là, je peux tenter le final avec Bilbao, hein, mais la complexité du truc va être énorme. Quand je vois les têtes, les gars qu'il y a devant là, qui reviennent du peloton, qui sont frais là, Evenepoel, Barguil, ça va être compliqué. J'ai vu un Alaphilippe aussi à un moment donné là. J'ai vu un Godu aussi qui grimpe bien. Je crois que derrière là, le gars qui a les épaules bleues et rouges là, c'est de chez la Française des Jeux, je crois, ou Total, je sais plus. Tu reviens nice. Ouais. Voici maintenant l'ultime côte de cette étape qui se dresse devant l'homme. L'ultime côte, je sais même pas s'il va pouvoir la monter. Ses poursuivants ne sont pas encore battus. Joue Hirschi. Hirschi, il est mort. Hirschi, il est mort. Il est loin, il est derrière, il est loin. Ah, quoique. Attends, il est où Hirschi? Hirschi, il est où mon maillot jaune? Je vois même pas. Ah, il est là. Il est là. C'est bon, je l'ai. Ça peut se tenter, mais il est en méforme aussi. Bien, il est en. Ouais, on va tenter avec Hirschi, ouais, on va tenter, mais ça pue du cul. Hein. Ça pue des fesses. Bah, le problème c'est qu'ils sont tous en méforme là. Je fais des étapes où mes joueurs qui potentiellement peuvent gagner, qui sont les plus forts, hein, mes leaders, sont en méforme. Donc forcément, ça pue. Ouais, c'est la merde, c'est la merde. Ouais, un peu, ouais. On va se mettre dans les roues de Barguil. Il y a Godu qui est là. Godu me fait peur en montagne, hein. Faut que je prenne la route Godu. Ouais, ou Barguil, c'est bien Barguil. Ça va être tendax. Hein. La montée, ça m'inquiète pas, c'est la descente qui va me faire peur. Hein. Faut que je m'échappe dans la descente parce que sinon je vais me faire niquer. Martin, Evenepoel, ouais, pour 2 points et 1 point, ça, c'est très bien que je les joue pas. Voilà, Kamna. Kamna, tu vas ramener. Non, McNulty. McNulty, tu vas protéger. Tu vas protéger Hirschi. Mais attention, pas question de descendre en roue libre, car la pente n'est quand même pas très forte. Il faudra donc continuer de pédaler si l'on ne veut pas assister à un regroupement. Allez, allez, roule. Ok, je viens de protéger. Mais roule aussi, oh. Sac à 20, là. Il nous a virtuellement pris le maillot blanc. Ta gueule. Pour l'avant de la course, il ne reste à peine que 10 km avant l'arrivée. Oh putain, j'ai plus de jaune bleu, j'ai plus rien. Oh là 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 là. McNulty, il est cramé. Bon, je crois que sur cette étape là, ça va être mort. Je vais perdre le jaune, mais c'est pas grave, je vais le récupérer. Jouer Hirschi. Ah putain. Ça va être compliqué. Il passe à l'offensive. L'échappée résiste bien au retour du peloton. L'écart semble stabilisé.
Ouais, c'est que Manucci il roule pas, c'est une merde. Putain, casse les couilles. Il y a 6 km. Putain. Pour passer devant tout ça, ça va être méga compliqué. Là. Changement de leader en tête du classement du meilleur jeune. Oui, Lola, je vais te mettre au lit, attends. L'échappée a peu de chance d'aller au bout, les gars. Tu veux t'allonger? Attends, je vais t'allonger. Il essaie de sortir, attention. C'est ça que tu veux? Il essaie de sortir du peloton. Plus que 3 km pour départager les échappées. Si certains veulent éviter le sprint, ils ne doivent plus attendre. Moi j'ai pris des super bonnes trajectoires. Salut Jackpot! Salut Jackpose! Dernier kilomètre, un homme est seul en tête. T'es en sur-régime? Baisse un peu le rythme ou tu vas vite le payer. Non, j'ai sauvé les meubles. J'ai fait 9ème, je crois. Non, je sais pas combien j'ai fait. J'essaie de sauver les meubles. Hein. Oui, Lola, fais dodo. On va voir. Mais je sais que j'ai perdu le maillot jaune. Hein. Là, c'était sûr, c'était évident. Dedans, t'es claqué, toi, ça se voit. Jackpot, j'aime bien. À chaque fois qu'il vient sur le live, il met juste à l'eau, puis il dit plus rien après. Je te jure. Mesdames et messieurs, applaudissez-le bien fort. Voici-le. Il joue les tout premiers rôles cette année. On peut dire que le tour se passe idéalement. On peut dire que le tour. On va lui dire bonjour. Ouais. Un peu vitesse en tout. Ah, mais je sais même pas s'il est français. Je peux te dire. I don't know, man! Non, non ils ne disent rien. Ah, je sais pas. Pogacar. Le jaune, je vais essayer de le tenter avec Galopin, il est meilleur, il est mieux placé au classement. Le maillot à poids, maillot de grimpeur, je vais le garder avec Bilbao. Le sprint, j'ai essayé de garder Hirschi du coup, jouer le sprint avec Hirschi. Le maillot blanc, le maillot blanc, tant pis pour le maillot blanc. Hein. On va quand même essayer de tenter d'aller chercher le maillot jaune. Là, ça va être compliqué. Hein. Pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape. Ah bah elle était dure celle-là. Cette étape-là elle était très dure. Je la sentais de toute façon que ça allait être très très hard. Je t'en avais parlé Kané juste avant de la lancer chez Diffusé là, elle va être... De quoi dure. L'étape que je viens de faire là. Je t'avais dit tout à l'heure avant de lancer de là, je fais tu vois cette étape-là, elle va, je la sens pas, elle va être dure. Ah bah ça. Il y a la 7 aussi qui va être chaude. Ouais, il y en a 7 qui vont être chaudes. Il y en a plus ou moins dures mais... Ah, ça y est, elle s'endort, ma chérie. Elle est cool, elle fait dodo. Ça y est.
Oh la vache. Mais là je suis un peu plus serein déjà. Bon, j'ai toujours le maillot à poids déjà. Ça. Alors. Là, ça va grimper. Donc, Bilbao, il est. Là, je pense que Bilbao, il est assez chaud pour faire les 3 sprints. Les 3 points montagne. Le sprint, il est classé combien en sprint? Moi, je veux le sprint avec Hirschi. Alors, Flavien qui demande de commencer le Tour de France. Ouais, je vais le faire. Je vais le commencer là. Et le maillot jaune avec... Ah, il est 22e, je pensais qu'il était plus mieux placé que ça. Ah oui, non, c'est mon meilleur... Il est mieux placé, ouais, on va jouer galopin. Ouais. 24 secondes. On va faire ça, je vais jouer avec Bilbao. Je vais le noter parce que après je vais oublier sinon. Une feuille de papier, j'en ai là. Non, j'en ai là des feuilles de papier, je suis con. Voilà. Mais ils sont tous en méforme quoi. Il n'y a que McNulty qui est en pleine forme. Et McNulty, il... pour ce que je veux faire, ça va être trop compliqué pour lui. Il n'a pas le niveau pour ça. Donc, Bilbao. Maillot à poids. On a dit galopin. Galopin, maillot jaune. Et Hirschi. Maillot vert. Voilà, comme ça c'est noté pour tout à l'heure, ça sera parfait. Allez, on go Tour de France, on va changer de catégorie. On va se faire une pause là parce que là, elle est dure. Oh là là. Ouais, l'eau chuit, c'est dur mon gars, putain. Tour de France. Attends. Ok, c'est bon. On va laisser en difficulté normale. Alors, il voulait que je prenne la Sunweb. J'ai pas envie de prendre la Sunweb. Je sais pas qui prendre en fait. Ah, je prendrais la Quick Step. La Bora. La Jumbo Visma. La Groupama FDJ. Sunweb ou Total Vendée. Moi je dis Groupama, wesh. Il n'y a pas Groupama, il n'y a plus. Il y avait, je crois. Ah bon, mais il y a plus. Ouais, non, il y avait, mais il n'y a plus. Groupama. Ah, tu l'as dit Groupama, non? Non, non, non. Bora, la Bora. Ah, la Bora. La Bora, on's go. Ah, j'hésite. Quick Step. Ouais, elle me tente bien la Quick Step. En gros, mes équipes de cœur, c'est Quick Step pour Alaphilippe, la Bora pour Sagan, Vimpo Vista pour Roglic. Ils ont tous chacun leur. Ouais, la Groupama pour Godu, et la Sunweb pour Hirschi et Bennett, la Vendée pour. Merde, j'ai plus son nom à lui. La Trek Segafredo pour Richie Porte et Rock Mollema.
Après le reste, voilà quoi. Je sais pas trop là. Ah oui, Groupama FDJ, oui, pardon. Oui, attends pour moi. Et c'est vrai, ils sont. Go faire une team hybride avec Sagan à la Philippe Hirschi. C'est prévu, Nono. Mais j'ai pas les thunes. Hirschi, je le garde, c'est obligé. Sagan, je voudrais bien à la Philippe, c'est sûr que je vais l'avoir. En gros, mon équipe de rêve, ça serait. Sagan, Hirschi, à la Philippe. Richie Porte et Bennett. Et là, je pense que là, je fais du sale. Et Godu. Là, je pense que je peux faire du sale, 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 très sale. On va faire du sale, ma man. On va faire du sale, sale, sale. Ah, putain. Sagan, quoi. Donc, j'hésite. Je sais pas qui prendre. Je l'avais, elle veut la Sunweb. Ouais, j'ai pas envie de prendre la Sunweb. Parce que je sais que je vais être en difficulté dans les grosses montagnes. On va la jouer à pile ou face. Attends, je vais faire un papier, un crayon, on va la jouer tirage au sort. Hein. On va la jouer au petit enfant, hein. Bon, ça me va, hein, écoute. Ça te fait quoi là? En fait, moi, quand je joue à Tour de France, je veux tout gagner. Je veux le maillot jaune, je veux le maillot à pois, je veux le maillot vert, je veux le maillot blanc et le plus combatif. Je veux tout. Moi, l'équipe que je vais faire là en pro team, elle va tout gagner. Je veux tout gagner. Tout le temps. Sur toutes les épreuves, je veux tout gagner. C'est mon objectif, mon gars. Après, c'est compliqué, c'est dur, hein, mais j'y arriverai. J'y arriverai. Là, je vois que sur l'étape que je suis en train de faire là du critérium du Dauphiné, je galère parce que mes joueurs sont en méforme. Ouais. Avec l'équipe que je vais faire, la prochaine équipe que je vais faire, je vais des coureurs qui vont gérer par exemple la course. Donc les autres, ils vont pas rouler. Et je vais les alterner en fait. Mon équipe, elle va. Je vais faire en sorte que mon coureur, il peut partir tout seul, limite, et il gagne. Limite. Forcément, c'est pas possible, mais limite. C'est mon objectif. La Sunweb avec la victoire d'étape. Ouais, il a pas de victoire pour Démar. Ouais, dommage. Mais je suis pas fan de Démar. Je dis pas qu'il est mauvais, hein, mais je sais pas, j'apprécie moins. Donc on a dit Sunweb. Je triche pas, hein, je montre. C'est bien écrit Sunweb. Allez, je vais mettre côté. Je vais me faire une boîte. T'as pas une boîte là? Si, j'ai une boîte là. Normalement, attends. On va la jouer. J'ai une boîte là. Voilà, on va la mettre dedans. Je vérifie bien, comme ça il n'y a pas de triche. Hein. Parce que moi je suis pas un tricheur, j'aime pas ça. Sunweb. Dans la boîte. Alors, équipe de cœur. Il y a la Quick Step. Quick Step. UAE, c'est pas mal aussi. Je sais plus, il y a qui dedans. Il y a qui dans l'équipe de chez la UE machin là. Ah, ma manette elle s'est déconnectée. Si, c'est bon. Oui, il y a Pogacar et Christophe. Ouais, vas-y, on la met. Je suis pas fan, mais on la met. Il est où le crayon? Non. UAE. On dit pas qu'il y a une passée bas. Il y a une palante chez moi, après c'est... UAE. C'est mis. Mais elle se défend. C'est un peu du cœur sur le roi. Ouais. Pogacar, ouais. Ok, donc ça c'est fait.
Alors je reviens sur un ami Quickstep. Oui, on a mis Quickstep. On va mettre Bora pour Sagan, évidemment. La Bora. Bora. On va mettre la FDJ. Ça se trouve, je suis tombé sur une équipe tout pourrie, tout pété. Oh merde, je vous ai pas montré l'FDJ. Pardon. FDJ. Allez, plus qu'un match. Il me reste deux papiers. Jumbo Visma. On va mettre Jumbo, hein, on va comprendre. Jumbo. Jumbo. J'aime pas. Garçon, si t'enlèves la CD, ça fait gare, con, ma fille. Jumbo. Pardon. Voilà. Jumbo, eh oh, Jumbo, eh oh. Pardon. Quand c'est moi, que c'est moi. Team Ineos, on va mettre un peu. Ineos. Et il me reste un papier, on va mettre. Allez, Sega Fredo. Sega Fredo. On va mélanger tout ça. Allez, le verdict va tomber. Quelle équipe ça va me mettre? Il y en a qui me font peur en vrai. Il y en a, j'ai vraiment pas envie. Tu veux tout casser, tu prends un Jumbo Visma. Bah, on verra. Ça va être au tirage au sort, c'est pas moi qui peux décider. Allez, attention, je ne regarde pas. 161 km le but. Pop, pop, pop. Là-dessus, là. Oh putain. C'est pas ce que je voulais. Du tout. Ineos. Allez, c'est parti. On prend la team Ineos. C'est vraiment pas ce que je voulais. Alors, il est où là, Ineos? Ah la vache. C'est pas mauvais et mauvais en soi, mais c'est vraiment pas ce que je voulais. Change avec Jungbo, vas-y. Non, non, change pas, c'est le jeu mon gars. C'est dit au tirage au sort, c'est au tirage au sort. Voilà. T'es dans les full pick en face, c'est dingue, j'ai jamais vu ça. Ah. Ah, comment je suis deg. J'aurais tellement aimé un Groupama FDJ ou une Bora ou même Sunweb. J'aurais pas, c'est pas ce que j'aurais pris, mais tellement Sunweb comparé à Ineos. Personne voulait Ineos. Ouais, non mais ouais. T'as une Ineos là? Ouais, j'ai la team Ineos. Skin. Ah, il y a Bernal, hein, il y a du beau. Il y a Bernal, il y a Capraz, il y a Sigloff. J'ai pas un sprinter. Je peux même pas jouer les sprints. Non. Non les gars, en vrai je peux pas prendre Ineos. Non je peux pas, je suis désolé. Je m'en fous, je change. J'enlève Ineos, c'est impossible que je joue Ineos. C'est pas RP. Ah je m'en bats les couilles. Je peux pas, j'ai aucun sprinter, j'ai rien, je vais me faire défoncer. Donc Ineos, je suis désolé, mais non c'est mort. Tout sauf Ineos. Je l'arrache le Ineos. Non. Je rejoue au tirage au sort, je m'en fous, mais pas Ineos quoi.
Quand je viens de voir l'équipe d'Ineo, j'ai fait non. Non, non. Non. Je veux pas. Moi je dis dans le chat, ils choisissent tous une équipe et puis tu choisis entre les équipes. Tu fais un tirage au sort, mais entre les équipes choisies, tu vois. Pas ouais, toutes les rigueur. Équipes. Ineos, t'as plus rien. Bah ouais, non. Mais... Moi je choisis FDJ. FDJ ? Ouais. Ok, je garde FDJ. Vas-y, mettez-moi dans l'équipe que vous voulez, les gars. On va faire un tirage au sort entre les équipes que vous voulez. Ouais. Vas-y, attends, je recherche les. Et le premier qui met Ineo, je le tape. FDJ, c'est bon, il est dedans. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, qui dit. C'est qui a mis ça? C'est le jeu? Ah ouais, ah, en forêt, Nono. Nono, il veut. Je reste Quick Step. Quick Step. Alors, FDJ, c'est fait. Quick Step, c'est fait. Et Flavien. Flavien, tu veux que je prenne Jumbo, c'est ça? Jumbo, Jumbo, il est où Jumbo? Jumbo, il est là. Ok. Et toi, tu m'avais dit, ouais, tu m'avais dit, c'est bon. Moi, je m'en mets un ou pas? Non? Je peux bah, si, tu t'en choisis un aussi. Ouais? Allez. Tu choisis Ineo, toi? Enculé. Non. Non, je vais mettre celui-là, moi. Voilà. J'ai changé. Allez, c'est parti. On va mélanger tout ça. Flavien, elle a dit... Ah, UAE, il a dit Flavien, merde. Il faut que j'enlève... Attends. Il faut que j'enlève Jumbo, du coup. Ouais, FDJ, Jumbo, il dégage. Ça, ça, ok. Voilà. Jumbo, ça s'en va. Ok. Donc, on en a bien. 1, 2, 3. Il en manque un, là. Attends. Canet il a pris FDJ. Nono il a pris Quick Step. Ah oui oui c'est ça, il faut que je mette UAE. Voilà, c'est ça. Ok, c'est bon. On est bon. Allez, c'est parti. Là au moins je vais tomber sur une bonne équipe. Dites que c'est la FDJ ou Quick Step. Allez. Et je vais prendre celui-là. Ah putain, il reste 17 secondes, c'est serré le match. Hein. Non, c'est pas ce que je voulais, putain. Mais non, putain, je suis vert. J'ai aucun sprinter là-dedans. C'est quoi cette équipe de bras cassés? UAE, mais je peux pas prendre UAE. T'es un grand malade. Tu veux que je gagne le Tour de France avec ça? Mais t'es un fou, toi. Wouah, ça va être chaud. Oh, mais on va platine jeu, 3, hein. Division 4. Hein. Yes, c'est le jeu, j'ai pas le choix. Gars, il gagne le Tour de France. T'as avec pris... UAE, t'as eu quoi du coup? T'as eu quoi? UAE. Emirates. Bon, ça va encore. Hein? T'as un grand mal, j'ai pas de sprinter. On est... J'ai rien. Wow, Pogacar ouais, avec Christophe, ça va à peu près, mais après voilà. Dis qui a choisi ça, Flavien? C'est Flavien. Ouais. Ah bah bravo les gars. Bravo. Ah, c'est le jeu, tant pis, on va tenter. Hein. On va tenter. Pas le choix. Bonjour les gars. C'est le jeu. Ah là 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 là. Je vais me chercher un café, moi. Putain, mais tout sauf ça, quoi. Putain, mais j'aurais tellement voulu la Quick Step, quoi. Un roue moyen, da cruise moyen, et le reste c'est en dessous, bah ouais. On va partir avec Pogacar. Hein. Oh là 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 là. Aïe 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 aïe. Christophe.
Accélération, sprint. Ouais, quand sprint. Ouais. Putain, ça va être tendu. Mais quand t'as Sagan, ça va être compliqué. Hein. Je joue la victoire avec Christophe. Ouais. Mais il y a des points montagne avant, donc je vais jouer avec Pogacar direct. Hein. What the fuck? C'est quoi cette équipe tout pété? Mesdames et messieurs, bienvenue dans le pays niçois pour ce grand départ du Tour. Pour cette première étape, les coureurs auront affaire à un tracé inhabituel, puisque chose rare dans le Tour de France, ils devront effectuer trois grandes boucles. Mais cela ne devrait pas bouleverser le scénario de cette étape qui devrait se conclure par un sprint massif sur la promenade des Anglais. Faut prendre l'échappée. Les gars, aujourd'hui, ça monte. Non, avec Pogacar, je vais le faire gagner le maillot à poids sur le Tour de France. Là, autant le faire gagner les points directs. Les coureurs viennent de s'élancer et ça attaque déjà. A voir, de toute façon, là, faut que je prenne l'échappée déjà, de toute façon, y'a pas le choix. Fromolo, il va me servir juste pour protéger, je pense. Il y a moyen de faire quelque chose, mais j'y crois pas. Absolument pas, en vrai. C'est parti pour la première ascension de la côte de Rimier. C'est le moment de prendre ses repères, car les coureurs devront l'escalader trois fois aujourd'hui. La côte de Rimier est classée en troisième catégorie. Pour le classement du meilleur grimpeur, elle rapporte 2 points et 1 point aux deux premiers à son sommet. Oh putain, la manette, merde! Putain, elle vient de se déconnecter, la connasse. Bon, moi, je reviens vite fait. Vas-y, à tout, ouais. À tout. Les gars, au sommet de la côte, on ne pourra pas se relâcher tout de suite. Après un court replat, ça continuera de monter pendant 7 km. Pour le moment, c'est pas mal. Les premiers sont à 2 km du grimpeur. Fais rouler ces gars car c'est un danger pour le général. C'est qui devant là? Mas Bonnet. Il va être mort lui. C'est bon, je passe. Laisse passer Pogacar. Attention à lui, c'est le meilleur puncher de l'échappée. Non, c'est moi le meilleur puncher. Arrive pas mon gars. Le peloton vient de rentrer. Il n'y a donc plus personne échappé. Oh putain, j'ai un pote, il a acheté une maison. Ouais. Et j'avais fait des travaux dedans, tu vois. Ouais. Genre, il y a des portes qui claquent, tu vois. Donc au début, je dis, ouais, bon, bah, d'être le commandeur, tu vois. Je fais, enfin, on marque pas plus que ça. Un cendrier qui est dehors plein d'eau qui prend feu. Putain. Enfin, il y a une petite cour, tu vois. Genre, il y a un cendrier qui est rempli d'eau. Et il prend feu, genre, comme ça devant lui. Putain. C'est chaud, hein. Il a des lumières qui s'allument toutes seules. Je dis gros, revends-la ta maison. Grave. c'est chaud. Ce n'est pas toujours idéal d'être en surnombre dans une échappée, car les autres ne voudront plus forcément collaborer avec nous. Ouh, il y a Roglic, c'est là. Oh, c'est l'équipe que j'aurais vraiment pas choisi. Ah, mais c'est jamais un peu vu cette. Hein. Oh là là. Mon gars. J'aurais tellement aimé un Roglic, un Alaphilippe, ce que tu veux, mais pas. Mais pas ça, putain. La même Dumoulin, quoi.
Même du moulin, je prends. Tu peux prendre le chapeau avec quelqu'un. Ouais, je sais, c'est ce que j'ai essayé de faire. Là. Ça va, j'ai pris les points, donc c'est bon. C'est quoi, c'est Alaphilippe qui est là, là ? Non, j'ai pas le temps de voir. Ça va être méga chaud là. Tente de s'échapper. Oh, je connais personne dans l'équipe, c'est un truc de ouf. Ok, je viens de protéger. L'échappée possède 30 secondes d'avance. Les premiers basculent dans la descente maintenant pour revenir vers Nice. Putain. On va accélérer un peu parce qu'il se passe pas grand chose là. On remarquera que l'écart entre le peloton et l'échappée. Bon, à plus joli Yannick qui dit Flavien. A plus Flavien, passez une bonne fin d'après-midi. A bientôt, tu pourras regarder le replay bah, dès que tu reviendras. Les coureurs vont maintenant longer le Var et ensuite emprunter la route qui servira de finale à cette étape. Une route large, sans virage et en faux plat descendant qui favorisera grandement le travail des équipes de sprinteurs. Le peloton roule fort, restez bien placé. Une minute trente en faveur de l'échappée, c'est peut-être la bonne. La tête de la course en termine avec la première boucle. Elle ne va pas tarder à arriver au pied de la côte de Rigny. C'est parti pour la deuxième ascension de la côte de Rigny. Allez. Oh, c'est une équipe de pété qui m'a donné là. Oh là là. En vrai. À part Pogacar, je connais personne. Et Christophe. Christophe et Pogacar, je connais. Sinon, non. Putain, mais même Bock Mollema, il. L'écart augmente. On n'a pas besoin de rouler pour le moment. Il n'y a personne de dangereux pour nous dans l'échappée. Il faut constamment essayer de s'abriter du vent pour ne pas trop consommer d'énergie.
C'est ce qui permet de faire la différence en fin de course. Merde, je vois plus le chat, merde. Haru, ça me parle pas. Haru. Les premiers sont à 2 km. Haru, non, ça me dit rien. Une minute. Il est parti, change. Bah, je vais faire au moins cette étape, mais. Oh, j'ai trop envie de. J'ai trop envie de virer ça. Dernier pointage avec l'échappée. Une minute. Je fais cette étape, je me fais un café, on discute un peu et après j'ai envie de refaire une. Soit de reprendre ma carrière, soit changer. C'est vrai que le Tour de France c'est pas mal. J'y suis pas encore au Tour de France en mode ultimate. Mais là où j'en suis, c'est intéressant hein, le critérium et tout. Je vois des trucs que j'avais pas avant quoi. C'est Godu ça hmm. Non, c'est Cousin. Ah, je pensais que c'était Godu mais non. Mais Pogacar, il me faut dans mon équipe. En vrai. Si j'ai la thune de l'acheter, je l'achète. Tiens, je reviens. Ouais. Passé en tête du grimpeur, c'est bien. New Christophe là. T'es réveillée ma chérie? Notre princesse elle est réveillée. Elle a fait sa petite sieste. Oh le virage mal pris. Oh là là. On va approcher du sprint, faut la jouer avec Christophe. Pogacar qui est là. Putain, mais les virages, je les prends trop comme une bite, hein, putain! Mais sérieux, mais tourne! Putain, la dinguerie! Il tourne pas! C'est quoi, c'est la manette qui déconne ou quoi? Sans déconner, Pogacar est un bon montagne, mais il semble. Pas dégueu en chrono, IRL en tout cas. Ouais, il est bon, il est très très bon, Pogacar. Il est bon partout, lui. Et il tourne pas. Oh, vas-y, ça me casse les couilles. Vas-y, moi je reviens plus tard. Vas-y, ça marche. Vas-y, je fais un menu à tout. Bisous. Bisous, ouais. Je vais regarder ma manette Scala, je vais faire un café, j'arrive. Vas-y. C'est une dinguerie, il tourne pas. Ouais. Putain, la dinguerie.
pas, t'as dit des bisous, va coucher. Débat. Allez, course. On refait le Tour de France. Ok. Avec quoi on va la faire? En vrai. Quick step ou pas quick step? Quoi elle a fait? Avec quoi je vais prendre? En vrai, j'hésite là. Hein. Je sais pas qui prendre en vrai. Il y en a plein qui me plaisent. Mais je sais pas. Ce qui est chiant, c'est qu'on voit pas l'équipe. Kamna. Non, je voulais pas lancer. C'est ça qui est chiant. On peut pas voir les équipes sans cliquer. Bonjour les gars. Putain, je sais pas qui prendre, ça me casse la couille. Ça me casse la couille. Bonjour les gars. T'es en qui eux du coup? Oh là 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 là. C'est hallucinant. Alaphilippe, Jungles, Devens, Emerson, Mokorov, Bennett, Declare. Ouais. Ok. Y'a qui d'autre sinon? Honnêtement, je sais pas qui prendre là. Hein. En vrai, aïe. Bonjour les gars. Bien. Ils ont qui là-dedans? Bonjour les gars. Ouais,
What? Oui, mon doudou. T'es toujours là, Nono? Roglish. Bennett. Ils ont pas de sprinter. Putain. Je sais pas qui prendre. Pozoio. Ils ont qui là-dedans? Pino, King, Godu, Wadoa, Smola. Il n'y a pas de sprinter non plus là-dedans. Bonjour les gars. Bienvenue au briefing de cette première étape. L'essentiel à... Je sais pas qui prendre. Pour le cœur. On y va pour le cœur. Mais vraiment pour le cœur. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le pays niçois pour ce grand départ du Tour. Tant pis, hein. Pour cette première étape, les coureurs auront affaire à un tracé inhabituel, puisque chose rare dans le Tour de France, ils devront effectuer trois grandes boucles. Mais cela ne devrait pas bouleverser le scénario de cette étape qui devrait se conclure par un sprint massif sur la promenade des Anglais. Les gars, aujourd'hui ça monte dès la sortie de Nice. Et ça fait matinale, devrait vite se former. Les coureurs viennent de s'élancer et ça attaque déjà. On y va aussi, nous. On attend juste une ouverture et on sort. Voilà, allez. Tentative de contre. Allez, on y va. C'est parti pour la première ascension de la côte de Rimier. C'est le moment de prendre ses repères, car les coureurs devront l'escalader trois fois aujourd'hui. On a du grimpeur, nous? On n'a pas de grimpeur. En plus! Oh là 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 là. On a deux sprinters. Leclerc, Cavagna. Oh, tant pis, on va jouer comme un Philippe, tant pis. La côte de Rimier est classée en troisième catégorie. Pour le classement du meilleur grimpeur, elle rapporte 2 points et 1 point aux deux premiers à son sommet. On remarquera que l'écart entre le peloton et l'échappée diminue. Au sommet de la côte, on ne va pas se relâcher tout de suite. Après un court replat, ça continuera de monter pendant 7 km. Les premiers sont à 2 km du grimpeur.
reste tranquille. Tu sembles être le meilleur puncher du groupe. Tu devrais arriver à passer en tête. T'es toujours là, Nono ? Le peloton vient de rentrer. Il n'y a donc plus personne échappé. Ouais, Renono, ça va? Du coup, ça y est, j'ai lancé avec la Quick-Step. Nick. Je me suis dit, c'est bon. T'es passé en tête du grimpeur, c'est bien. Oh, j'ai hâte d'avoir FIFA 21, là. Mais je suis allé vite fait sortir mes chiens et prendre le thé. Ouais, bye. C'est bon, j'ai mon petit café, moi je suis bien là. Oh putain! Y a du monde en difficulté à l'arrière. Je devrais rentrer si ça tourne pas. Je sais pas pourquoi ça tourne pas comme ça. Au moins là t'auras une vraie team. Ouais, grave. Après j'ai regardé, hein, je voulais prendre la Jumbo Visma, mais pareil, ils ont pas de sprinter. C'est hallucinant. Et des équipes, ils ont que dalle. Moi je veux jouer la gagne partout. Là je veux un gars. Je veux qu'il y ait un de mes gars qui gagne le maillot à poids. Je veux le sprint, je veux tout. J'étais déçu du FIFA 20. Ouais, moi aussi. Enfin, moi j'ai pas été déçu. Je trouve que. Pour un jeu à 60 balles. Ils auraient pu faire d'énormes progrès quand tu regardes. Depuis FIFA 17, c'est toujours le même jeu. C'est toujours le même gameplay. Ouais, ils améliorent un peu le graphisme. Ouais, génial. C'est pas ce que j'attends d'un FIFA, moi. On est d'accord, hein, Lola, bah oui. Donc c'est pas ouf. Mais FIFA 21, il a l'air d'être vraiment bien, donc à voir, faut voir ce qu'ils vont nous sortir. J'attends de l'avoir entre mes mains et je pourrais comparer. J'ai aimé FIFA 20 comparé au 19, mais j'étais déçu comparé à ce qu'ils auraient dû prévoir, quoi. Bah déçu, sans trop d'évolution, ouf, toujours même prix, ils pourraient faire mieux. Ouais, on est d'accord. Ouais. Je l'ai aimé au 19, comparé au 19, mais déçu parce qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux. En gros, ils nous ont sorti un FIFA 19 sans les bugs, quoi. Voilà. Voilà ce qu'ils nous ont fait, quoi. C'est pas ce que j'attends d'un FIFA, quoi. Il tente de s'échapper. Un remake du 19, quoi. Plus beau, plus jouable. Une intelligence des joueurs bien, mais sans non plus se fouler le cul, quoi. Donc ouais. Ils se sont pas branlés la queue, quoi. L'écart avec la tête reste stable. Les premiers basculent dans la descente maintenant pour revenir vers Nice. Ce n'est pas toujours idéal d'être en surnombre dans une échappée, car les autres ne voudront plus forcément collaborer avec nous. Le peloton vient d'opérer la jonction avec l'échappée. Et là, je me protège. On va se reposer. Là, pour le moment, on est pas mal, hein. Le maillot de Bennett qu'il a là sur le dos.
Il est chelou. Attends, on peut pas avoir un mode ralenti là? Non? Merde! C'est quoi le maillot de Bennett là? Attends. J'arrive pas à voir mieux que ça. On dirait un trèfle sur son t-shirt. Je sais pas c'est quoi. Maillot champion d'Irlande peut-être? Irlandais je crois, Bennett. Je me trompe pas. J'arrive pas à voir. Ouais c'est ça, c'est Irlande ça. Bennett. Yes. Il est beau leur maillot champion d'Irlande. Oh l'enculé, mais sérieux. Allez. Les coureurs vont maintenant longer le Var et ensuite emprunter la route qui servira de finale à cette étape. Une route large, sans virage et en faux plat descendant qui favorisera grandement le travail des équipes de sprinteurs. Voilà. Bon rouleur, il n'a pas vraiment de points forts pouvant effrayer ses adversaires. Ça roule fort derrière, c'est pas le moment de relâcher. Ça va bien parti. Vous avez passé la barre de la minute d'avance sur le peloton. Bon. On en est où là? Salut Chélifère, ouais, ça va. Ça va, ça va. On va allumer la lumière parce qu'il commence à faire un peu sombre là. Ça va ma zézette? Le peloton est maintenant rentré. Il tente de s'échapper. On prend rien pour le moment, on reste derrière. On reste derrière, on est bien à l'arrière bonnet là. Allez, faut que ça roule. Oh, j'ai un petit coup de frisson, j'ai peut-être mon gilet moi. Voir tes petites mains, ma chérie. Non, ça va. Toi, t'as chaud, mais moi, c'est un peu juste. Il tente de s'échapper. Cavagna, il va protéger Alaphilippe. Ok, je viens de protéger. Par contre, dépêche-toi, trou de balle. Attaque en tête de peloton. Non, j'attaque pas moi, je reste derrière. Il joue le balle. Il leur a sûrement demandé de reprendre le. Voilà, Cavagna. Vas-y, passe devant, Cavagna. Voilà. Et je prends Tao. Voilà. Oui, ma zézette. Fais pas de bruit. Le peloton roule fort. Restez bien placé. On remarquera que l'écart entre le peloton et l'échappée diminue. Ah.
Pour le moment, ça roule bien. Ah, ça roule bien. Là, au moins, j'ai une vraie équipe. La course arrive sur la promenade des Anglais. La tension au sein du peloton sera beaucoup plus forte lorsqu'il s'agira de préparer le sprint final. Tu causes, ma douce ? Tu veux peut-être que je te remette assise ? Attends, viens. Voilà. T'es mieux là, assise, à côté de papa. Hein ? Hop là. Oui. Oui, ma petite bouille. Cavagna, il fait un bon tour cette année. Ouais, il a fait un bon tour. Bah, toute la Quick Step en fait. C'est con que Alaphilippe a été rétrogradé à cause d'un ravitaillement de merde. Et que sur le championnat du monde, je crois, le Liège-Bastogne-Liège, je sais plus, il s'écarte. Et il a été pénalisé pour trajectoire dangereuse. Et au championnat du monde, je crois, il lève la main alors qu'il se fait doubler. Ouais, des petits détails de merde, mais qui a son importance quand même parce qu'il s'est fait niquer, quoi. Donc voilà, dommage. Dommage pour Alaphilippe, dommage pour la Quick Step. Mais il méritait d'aller loin. Au Tour de France, je pense qu'il n'aurait pas été rétrogradé. Je pense qu'il se serait donné à fond sur le contre-la-montre. Mais je pense qu'il aurait pu rester maillot jaune. Je pense. Ça aurait été dur. Mais son équipe était là, hein. ils ont roulé. Hein. Mais je pense que ça aurait pu passer. Ça aurait pu. Je pense qu'il avait les jambes pour y aller cette année. Dommage, ce sera pour le prochain coup. On verra l'année prochaine. Et ouais, plein de petites erreurs qu'il a fait à la Philippe Salé. La win, le championnat du monde, c'est sur le classique belge derrière. Qui s'est fait avoir déclassé, doublé sur la ligne. Ouais, c'est ça, ouais, il s'est fait niquer. Il s'est fait déclasser. Et c'est au championnat du monde, ouais, où il se fait niquer sur la ligne, quoi. Dommage. Dommage, dommage. C'est pas grave. Allez, Cavagna, tu vas rester un peu derrière. T'as fait un super boulot. Suivre sans se fatiguer et c'est Jungles qui va reprendre le relais. Non! Putain. La Philippe. Mais non, mais putain, je veux à la Philippe, bordel. Oh, je fais de la merde. Après, il dit lui-même qu'il s'est fait. Qu'il sait s'il est capable de win le Tour de France, c'est trop long. Plusieurs coureurs d'étape de classique. Si, je pense qu'il est capable. Lui, il va pas s'en vanter, il va pas dire ouais, il va pas se dire ouais, je vais le gagner parce que je suis plus fort. Non, il est pas comme ça. Forcément qu'il va rester sur la réserve. Mais concrètement, je pense qu'il a les jambes pour le faire, il a l'équipe pour le faire. Et mais c'est compliqué parce qu'il faut c'est pas qu'une étape, hein. C'est plusieurs étapes de dingue. Donc c'est pas un truc simple, quoi. Pourquoi il reste là, de Cavagna? Je t'ai dit de rester derrière, putain. Mais tant déconner. Suivre sans se fatiguer. D'accord. Si ça roule trop vite, j'insiste pas. Je regarde mon équipe. J'ai qui? J'ai Jungles là qui peut venir m'aider. Voilà. Ça, j'aime bien. Okay. Je viens de protéger. Mais oui, je pense qu'il peut, il peut y aller. Il faut constamment essayer de s'abriter du vent pour ne pas trop consommer d'énergie. C'est ce qui permet de faire la différence. Après, le Tour de France, il suffit d'une étape et t'es niqué. Hein. Je pense aussi qu'il est capable, mais lui-même, il a les... Attends, voilà, je prends les roues parce que sinon je peux pas lire. Je pense aussi qu'il est capable, mais lui, il croit moyen. Il faut qu'il progresse encore sur les...
chrono. Ouais, le chrono, le chrono, je pense qu'il est bon. Parce que vu ce qu'il a fait il y a 2 ans, où il a pété tout le monde, tous les favoris, ou même les commentateurs, ils étaient bluffés par ce qu'il nous a fait. Non, je pense qu'en chrono, il est bon. Il est bon, il peut le faire. C'est juste les montagnes. La montagne, voilà, où il faut grimper. Mais je pense qu'il aurait un coéquipier comme Goju. C'est fait. C'est fait. Parce que ses coéquipiers sont pas mauvais, ils sont très bons. Mais il faut un putain de bon grimpeur dans l'équipe. Avec un putain de bon grimpeur, il gagne tout. Il se met dans la rouge du grimpeur. Il joue pas les points montagne. Il a juste son grimpeur à les prendre. Il reste juste dans sa roue et voilà. Comme je suis en train de faire là en fait, limite. Il reste dans la roue de son grimpeur, le grimpeur il monte. Voilà. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Tu me dis, ouais, t'as raison. T'as raison. Moi je pense qu'il peut le faire. Honnêtement. Ça a pas l'air d'être un bon jour pour lui. Il est en train de se faire lâcher. Voilà le classement du dernier grimpeur. Tu crois qu'on va gagner? Hein chérie, tu crois qu'on va gagner? Oh tu rigoles, toi tu penses que papa il va gagner, hein? Bah oui. On va voir. Papa il est pas très serein là. C'est vrai que suivant les étapes, il peut. Ouais. On va voir. On verra l'année prochaine. Moi, je pense que ça peut le faire. Je sais pas si ce sera Alaphilippe, mais je, de mon vivant, je verrai un Français gagner le Tour de France. Ça, j'en suis sûr. Ça, je suis sûr de voir un Français gagner le Tour de France. Bah ouais, il faudra un Godu dans son équipe. Un Godu. Ouah putain, il a relâché la roue. What? Ça va. Plus peur que de mal. Des fois c'est chiant, tu prends la route d'un coureur et à des moments il le lâche. Alors que tu verrouilles. C'est un peu compliqué, c'est un peu nul quand même. Des fois faut avoir l'œil sur l'écran parce que. T'as vite fait te retrouver dans le décor. Ah putain. Ça va mon petit boudin? Attends, mais tire pas dessus parce que là tu vas desserrer ta bretelle. Hein. Voilà. Jeune gueule, il est déjà cuit quoi. Allez, reviens derrière, jeune gueule. Il est mort. Suive sans se fatiguer. Allez, je prends le relais. Ça va descendre là, donc ça devrait aller. Mais il lui faut du lourd avec Alaphilippe. Allez, ça roule plus là. Allez les gars, faut rouler là. Oh, il y a Roglic. Ouh, il y a Roglic. Il y a Roglic.
Oh putain. Mais ça me rend dingue que ça tourne pas, sérieux. Je viens de remettre sur COM 2019. C'est quoi ça? Pro Cycling Manager. Ah oui! Ouais, il est bien aussi, mais je sais pas, je préfère le jouer moi que manager. Mais j'adore le vélo moi. De toute façon, j'adore tous les jeux de simulation. Tout ce qui concerne la simulation. Je voudrais. M'acheter le manche à balai et acheter Flight Simulator le dernier là. Mais il faudrait que je change mon processeur du PC, il est pas assez puissant. Il fera jamais tourner le jeu. Le jeu de train pareil, tout ce qui est simulation, je kiffe. Le rallye, le F1 et j'en passe. Tout ce qui est bon quoi. Vrai jeu de bonhomme. La zone de ravitaillement est en vue pour la tête de la course. C'est le moment. Ah putain. De reprendre de l'énergie, car ensuite les coureurs devront se projeter vers le sprint intermédiaire qui sera disputé à Nice sur la ligne d'arrivée. Allez, on se ravitaille, on va aller chez Dédé chercher la victoire. Après ça les gars, on va se mettre en mode de un peu discuter les gars, si vous voulez. Je vais faire une petite pause jeu là, parce que j'ai la tête qui est comme un citron là. On va se mettre en mode discussion. Oui mon doudou, tu causes? Tu discutes? Vas-y, parle dans le micro. Pas. Bonjour. Tu discutes? Tu es timide. Ouais, elle fait ça timide. Je l'ai ramené le micro à côté d'elle et elle disait plus rien. Elle fait la timide. Petite coquine. T'es une pisseuse. On va au bain ce soir, hein? Hey. Au bain!
Faut être toute propre. Allez. J'ai pas un sprinter là-dedans ? Si, j'ai Bennett. On va sprinter avec Bennett après. On va le prendre. On va le faire remonter parce que je pense qu'il va être dans le peloton. Ouais. Nizzolo avec son maillot de champion d'Europe. Allez, le sprint qui va arriver. Il doit y avoir du Sagan aussi dans le coin, non? Même pas? Je vois pas de Sagan, c'est étonnant. Où je suis en train de m'enfermer là. Le sprint approche. On doit prendre un maximum de points si on veut rester en course pour le classement par points. Le peloton est à 3 km du sprint intermédiaire. Le sprint intermédiaire approche. Rappelons que seuls les 15 premiers marquent des points pour le classement du maillot vert et que le premier empoche 20 points. Allez. Un kilomètre. On attend un peu et on envoie la purée. Ouh, Caleb Ewans qui est parti vite. Ouh la vache, ça va être dur de le rattraper. Je vais faire deuxième. Ouh. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. Oh putain. J'aurais dû partir plus tôt, j'ai hésité. Ah j'aurais dû. Tant pis. Attention, tu vas pas pouvoir attaquer encore très longtemps. Ah la vache. Bon. C'est le début de la dernière boucle. Une boucle un peu plus éprouvante que les précédentes, avec ses 10 km supplémentaires et l'ajout d'une côte non répertoriée pour le classement de la montagne. Les équipiers accélèrent. Il leur a sûrement demandé de reprendre le contre pour éviter une trop grosse échappée. Allez, roule pour moi. Tu vas avoir faim, ma chérie. Pourquoi ils ont fait un biberon? Pendant qu'on discute avec les copains, hein? On va faire une pause. Et voici la dernière ascension de la côte de Rignier. Oui, ma chérie. En ce qui concerne l'échappée. Fin de l'échappée. Tout reste à faire. Eh ben ma chérie, oh, t'es toute mouillée, tu baves. Eh, tu cries pas par contre. On ne crie pas. Allez, faut rouler là. Je te vois. Attention, je te vois. Vous êtes
reste à 2 km du grimpeur. Petit ange. Oui, on a gagné. On a gagné. On a gagné. On fait ça si on gagne. Oui. Allez, on fait ça si on gagne. Apparemment, il est bien parti là. Les équipiers gèrent l'écart pour ne pas vous laisser plus d'avance. Probablement en vue du général. Ouais, derrière, c'est pas mal. Ouah, ça devient chaud là. On approche de la descente finale. Ouais, c'est pas grave. Ça roule fort derrière, c'est pas le moment de se relâcher. Vous avez 30 secondes sur le peloton. Ça va grimper un peu puis ça va redescendre. Faut juste tenir, serrer les dents là. Allez. Allez, allez, allez. On y croit les gars. On y croit, on y croit. Allez. Corbelli, allez. Y'a qui derrière? Ah, ils sont derrière. Hein. Faut s'accrocher. Ah, il est mort en Gressen, c'est pour ça. Je vais m'accrocher à quelqu'un qui est mort. C'est pas grave, on va rouler. Hein. Regroupement général. Merde. Tout va donc se jouer dans le final. Asgreen, pardon. Asgreen, il est mort. Repose-toi tranquille. Roule tranquille. T'inquiète. Je vais reprendre ta roue quand ils seront dans la descente. Il y a quelqu'un qui pourrait me reprendre. D'accord, on se ravitaille. Lola, chut. Lola, arrête de crier. Arrête de crier. Ouais. Tu fais du bruit. Allez, ça redescend. Peloton groupé. Allez. Soyez concentrés, les gars. Cette fois, ça ne redescend pas directement vers Nice. Il va y avoir un long faux. Aux alentours de 3%. La descente qui suit est assez sinueuse. Il faut être prudent. Prendre ça bleu.
Quizbot, le live est offline. L'ultime est de la session est de 3h30 minutes. Quoi? Comment ça, c'est offline? What? Il vient de se passer quoi là? C'est pas offline, j'ai pas compris ce qui vient de se passer. Tu te chiens encore tout pété. Ah, je sais pas. Ouais, d'accord que là, il y a toujours la live. Hein. Il y a mis que le live était offline, je sais pas. Ouais, c'est pas grave, tant que ça marche, moi je m'en branle après de ce qui met Musebot. C'est pas grave. Ah, mais je crois savoir pourquoi. Ouais, c'est bon. C'est pas grave, c'est bon, je crois savoir pourquoi. Merde, je suis trompé de touche. Ça marche. Je me ravitaille. Toi, tu es en live, noté déco. Pas mal de chaînes que je suis. Ok, d'accord. Ouais, je sais pas, c'est chelou. Tant que ça marche. De toute façon, je vais pas tarder à m'arrêter vite fait là. Je vais faire une petite pause. Je reviendrai ce soir, je pense. Ah, du coup, mec, personne me suit là. Ouais, je sais pas, c'est trop chelou. C'est pas grave. Tant que ça fonctionne. Ouais, je sais pas, ça a bugué. Vas-y, reviens derrière toi, t'es cuit à mort là. Oui, ma chérie. Allez, on roule pour moi, toi. Ah, ça y est, c'est revenu normal là. Je vois qu'il y a les gens qui. La team compte, il... Le vieux compte, il m'a armé. C'est bon. C'est good. Pour les hommes de tête, il ne reste maintenant qu'une descente, sans aucune difficulté jusqu'à Nice. Allez. Bon, il reste plus qu'à savoir si on va gagner le sprint. Hein. Et ça, c'est pas gagné. Hein. Quand je vois les mecs qui suivent derrière, ça pue du cul. Hein. Il y a du De Gendt, il y a du Roglic, je crois. Janssen. Ouais, il y a du beau monde. Hein. Il y a un Roglic aussi, il me semble, j'ai vu. Il gâche une héros. Ah, il y a Bernal. Oh là là, il y a Bernal. Ouh, le sprint final, il va être... what the fuck.
La tête de la course est au bas de la descente. Il n'y a plus aucune difficulté jusqu'à l'arrivée. Vous avez 30 secondes sur le peloton. Peloton groupé. Par contre, j'aurais bien qu'il repasse devant lui là. Putain, de mon équipe là. Accélère. Hop, le Twitch, pardon. Encore 20 km, et c'est un peloton groupé qui fonce maintenant vers la ligne d'arrivée. Il accélère. Oui, Lola. Je me concentre là. Il reste plus grand chose à faire. À 15 km de l'arrivée, le peloton est groupé. Les équipes de sprinteurs vont donc continuer d'imposer leur rythme jusqu'à l'arrivée. Allez les gars, on reste concentrés. Vous connaissez le final, on y est déjà passé deux fois. Pas de danger particulier à signaler. Allez. Allez, on lâche tout là. Allez, je suis concentré là. On va arriver sous la flamme rouge normalement là, non? Pas encore? Non, pas encore. 10 km, on se dirige vers un sprint massif. C'est l'occasion de prendre des points pour le maillot vert. 10 km. Faudrait que Duggan il passe devant vite fait, que je prenne sa roue pour me protéger un peu. Regarde bien l'attitude des autres sprinteurs pour savoir quand lancer ton sprint. Si tu démarres trop tôt, tu ne pourras pas poursuivre ton effort jusqu'à la ligne. Si tu démarres trop tard, tu n'auras pas le temps de les remonter. Allez, on se concentre sur le sprint, les gars. Celui-là, il essaye de piéger les sprinteurs. Thank you.
Vraiment, je suis très bien placé là. Oui, Lola. On prend la route de Ghent. Ouais, 5 km. Plus que 5 km. Préparez-vous au sprint. Ouh. On doit marquer des points pour le maillot vert. On prend la route des One. Il accélère. Oh là 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 là, ça va être tendu, il y a du gros monde. Il y a du beau monde. Ça se dégage sur De Ghent là, on va prendre la route De Ghent. Et Pinot. De Ghent il est cuit, je pense pas qu'il va sprinter. Allez. J'aurais limite envie de partir maintenant, mais ça serait de la folie. Par contre là il doit y avoir un Roglic, Van Aert, Janssen, Sagan. Ouh là 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 là, ça va être hallucinant. Et voici la flamme rouge, les sprinteurs sont lancés. Allez. Allez, un kilomètre de la fond. Dernier kilomètre. Ah c'est mort. Ah là 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 là, le travail de dingue. Eh, ça va être hyper dur. Avec Alaphilippe de gagner un Tour de France. Oh putain. C'est qui le gagnant du coup là? Oh là 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 là. C'est la première fois que je vais voir le podium tellement que c'était intense. Là. La vache. T'as vu ça mec? Comment c'était hallucinant le sprint de ouf. Et pourtant je suis parti bien quoi. T'as la puissance! Attends, je veux le revoir dès le début. Regarde, je prends la roue de Janssen et tout ça là. Regarde! Ils sont partis, mais comme une fusée quoi. Regarde, je me décale exprès. Et ils sont partis, mais genre, au revoir quoi. Oh la vache! Maman! Ouais, j'ai de rien du tout là, j'ai merdé à fond! Alaphilippe, c'est pas un sprinter. Putain, pour aller se mêler au Sagan et tout ça, ça va être compliqué. Mais il est bon. Mais il est très bon. Il grimpe bien, en tout cas. En gros, il va falloir... Ouais, il va falloir... Van Aert. C'est Van Aert, putain. Alaphilippe, meilleur grimpeur. Pogacar. Waouh. 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 Je vois que le Tour de France, c'est intense. Oh la vache, c'est loin. Loin, loin de mes espérances. De mes espérances. Ah la vache. Maman. Ok, je sais à quoi m'en tenir. Hein. Putain, quand ça va être dans les grandes montagnes avec les d'écoles hors catégorie. Waouh, ça va être ouf. Putain, mais Van Aert, quoi. Putain, la vache. Et Sagan en méforme. Hein. 7ème en méforme. Donc je pense que s'il était en pleine forme, je pense que j'aurais pu faire. J'aurais pu gagner. Ouais, je pense quand même. Enfin, peut-être pas gagner, mais au moins être sur le podium, je pense. À la place d'Evan. Cadel Evan. Ouais, je pense. Ah, waouh, c'est trop intense. Putain. C'est ouf. Ah, mon petit boudin d'amour. Bah, post-cop pour moi. Le fil, il sera assez long, pas jusqu'à la fenêtre. Un doute. Même s'il te manque de la puissance d'un sprinter. Ouais, je sais qu'il manque un homme. Ouais, je sais bien. C'est vrai. Est-ce que le fil, il sera assez long? Attends.
Bon, je suis là, j'espère que vous m'entendez bien, je suis dehors du coup. Merde. Du coup, j'espère qu'on m'entend bien. Alors, tu m'as mis. Il manque d'un 60 sprinter, ouais, ça c'est clair. 7ème, ça reste pas mal pour un non-sprinter, c'est clair. Devant Kwiatkowski en plus. Ouais, j'avoue. J'avoue, mais je pense que j'aurais pu faire beaucoup mieux. Je pense que j'aurais pu faire beaucoup mieux. Mais c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Après, c'est que la première étape, hein, et le Tour de France est long. Le Tour de France est long et jusqu'aux Champs-Élysées, tout peut se jouer, hein, de toute façon. Mais je pense que je me suis pas trop mal débrouillé. Je suis quand même content de moi. Mais bon, c'est... Le Tour de France, c'est un autre univers, hein. Franchement. Et là, ce qui est bien, c'est qu'au moins, je me prépare à ce qui va m'attendre après, quoi. Parce que là, dans le pro team, j'en suis loin. Enfin, j'en suis loin. Non, j'en suis pas loin, mais. Mais déjà, quand je vois rien que l'étape Paris-Nice. Le Paris-Nice, le Critérium du Dauphiné, et je sais plus quelle étape j'ai à faire là, le retour, je crois. Non, je sais plus quoi, un truc. Quand je vois la complexité du truc, je fais. Ouais. Le Tour de France, à mon avis, c'est un challenge au-dessus. Voilà, je viens de le découvrir tout seul. Il est très compliqué. Le problème, c'est que là, le Tour de France, c'est du niveau. T'as tous les gars qui veulent la gagner et ils sont en forme et t'as du Sagan qui va tout arracher. Que sur un Dauphiné, t'auras pas Sagan, mais t'auras par exemple Pogacar. Enfin, pas Pogacar, mais par exemple, je sais pas, Pinot qui va vouloir se lancer, qui va vouloir se démarquer. Tous les grands, ils se conservent. Et donc, ça va, tu peux quand même sortir avec Kamna et gagner une étape avec Kamna. Gagner un Tour de France avec Kamna, ça va être, tu vois, c'est quasiment mission impossible. Il peut faire des bonnes montées, il peut faire des beaux trucs, mais tu pourras pas le faire gagner, quoi. Faut être honnête. Enfin, si tu arrives à le faire gagner, c'est vraiment sur un poil de cul, quoi. Mais là, waouh, la Philippe, pourtant qui est très très bon, le faire gagner, ça va être waouh. Même dans le jeu, hein, ça va être compliqué. Mais j'aime bien, j'aime beaucoup. Mais bon, je m'en suis pas trop mal sorti, je suis content de moi quand même. C'est cool. Post-club tranquillou. Et puis on va faire une petite pause là. Voilà. On va discuter tous ensemble. Vous êtes combien là? Je sais pas. Ah, c'était sympa. C'était sympa. Je vais en garder un bon souvenir de cette première étape. Voilà, on va se remettre au chaud.
Oh, et ben c'était bien sympathique cette première étape. Allez, on va faire une petite pause, les gars. Ah, c'était cool. C'était très cool. La caméra elle est un petit peu trop basse. Attends, faut que je remette ce fil là sur le téléphone. Et on est bon. Ouais, c'était sympa, hein. Wap wap wap, c'était ouf. Ouais. Bon, les copains. Fait pas chaud dehors, la vache. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, de cette étape. Mais c'était dingue. Le final était hallucinant. Voilà, tout est bon. Ça va, ma chérie, t'es fatiguée déjà? Tu reviens un biberon? Non, pas encore. Alors, je démérite pas, mais j'aurais pu faire mieux. Je suis un peu déçu quand même. Je m'attendais vraiment à mieux que ça. Mais bon, c'est pas mal. Ça mérite sa bière. Bon, on va poser ça là. On est pas mal. J'aimerais bien que ça dégage. J'aurais quitté tout ça là, je sais pas pourquoi mon PC l'a bugué. Voilà, c'est parce que j'avais la manette sur le clavier, ok. Ouais, c'est pas n'importe qui, mais il y a Trentin, Sagan, Ewan, Colbrelli, Nizzolo, Van Dart. Il y a du grand aussi devant. Hein. Après, c'est quoi la deuxième étape là, juste par curiosité? Sur 21 étapes là? Ah, ma manette s'est déconnectée. Ah, attends, j'ai ma manette qui est... Ah, attends, j'ai plus de manette, là. What? Qu'est-ce qui vient de se passer? Ah non, la manette, elle s'est débranchée. Ah, c'est pour ça. On l'a branchée, là. Ouais, quand j'étais à la fenêtre, à mon avis, j'ai dû la débrancher. Ah, voilà. Désolé. Alors. Ouais, là, ça va grimper par contre. Oh la vache. C'est de la montagne aujourd'hui. L'arrivée n'est pas jugée au sommet d'un col, mais cela reste un parcours difficile et une journée importante pour le classement général. Il va falloir répondre présent dans la dernière ascension si on veut bien figurer. Ça sera compliqué de suivre la cadence des meilleurs. Je pense qu'on a intérêt à anticiper les attaques des leaders en attaquant de loin. Bon courage les gars. Ouais, il y a du lourd là. Putain. Oh. C'est ouf. Là, c'est ouf. Attends, je te montre. Du coup, parce que là, je suis sur mon écran. Là, ça va être compliqué. Oh, regarde. Mais là, c'est dingue. Putain.
descente technique ou vigilance doit être à son maximum pour évoluer les éviter les chutes. Zone exposée au vent, zone secteur de pavé, chaussée rétrécie. Sommet dont les points pour le classement du meilleur grimpeur sont doublés. Hors catégorie 8, 5 et 3. Avec bonification au sommet, ok d'accord. Ça va être ouf! Ah bah on va s'arrêter là, hein, pour le moment. Allez, on quitte le jeu pour le moment. On reviendra peut-être ce soir, peut-être demain, je sais pas. Oh là 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 là. Ça est dingue! C'est dingue. C'était ouf. Sérieux. Gagner le Tour de France avec Alaphilippe, ça va être compliqué. Attends. Putain. Bon, sur ce, les copains, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais boire ma bière tranquillement. J'ai donné le biberon à ma fille. On va se poser un peu devant une petite série. Puis on reviendra tout à l'heure, je pense. Peut-être pas en live. Je sais pas, je vais voir. Je vais remettre mon Twitch à jour avec mon bot là. Parce que je vois qu'il y a pas mal de bots qui sont pas. Merci pour ce live, c'était cool. Bonne soirée et bisous. Ouais, ça marche. C'était super cool, en tout cas vous êtes tous venus là, vous m'avez fait profiter du pass VIP là, je pense que je vais le débloquer ce soir, ça va être cool. Je vais claquer du VIP après les gars, parce que là il y en a, ils sont venus, ils sont restés quasiment tout le long là. Bah déjà Nono, toi je pense que tu vas pas pouvoir passer VIP. Oh là 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 là, je sais même pas si ça marche déjà là, je vais essayer mais je suis pas sûr. Slash VIP Nono tiré du 8 le Clipper fou. Impossible d'ajouter en tant que VIP, pourquoi? Ah j'ai peut-être pas activé, attends on va regarder avant de quitter. Succès. En savoir plus. Ouais, je sais pas, c'est chelou. Ça marche pas. Manage tout rôle. Ouais, je sais pas, je regarderai plus tard. Ça marche pas. Faut peut-être que je quitte le live, attendre un petit peu, je sais pas. On verra peut-être ce soir ou demain. Mais en tout cas, normalement, je l'ai débloqué, c'est cool. Bah, sur ce, je vous laisse le générique de fin. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. C'était Créo. Ciao, les gars. Merci d'être venus.